Bonjour tout le monde. C'est donc le ranking numéro 7. Yes, tout à fait. On est bien synchro, ça fait plaisir. Alors, le ranking numéro 7, alors on est une vingtaine de participants aujourd'hui. Ouais. Vous pouvez retrouver l'arbre comme d'habitude avec un petit point d'exclamation braquette que j'ai bien entendu préparé avec attention. Oui. Donc, on a du beau monde. Hein. On a notre joueur Yuya, bien sûr. Oui. On a Malibido aussi qui est parmi nous, qui a gagné le précédent ranking. Hein. On a notre One Brawl national. On a One Brawl, on a Karobu, on a Crignard. Ouais. On a du beau monde. On a Satar. Ça va être très très stylé tout ça. Ouais. Donc, on va directement envoyer parce que là, nos joueurs ils attendent impatiemment. Ils sont pas nos joueurs, ouais, j'espère. Ils sont prêts. Hein, nos joueurs. Ils sont prêts, bien sûr qu'ils sont prêts. Faut qu'ils prennent, nos joueurs. Bah, ouais. Ah, vas-y, on va passer directement en game. Ils n'ont pas l'air super prêts, là. Hein. Ah, oui, aussi. Ils se retiennent. Ils sont prêts depuis tout à l'heure. Je crois qu'on est très beau, Guido. Ouais. Ah, bah, je suis rendu. Ah, ça se voit, C'est finement coupé, finement tendu. Yes. Allez, donc, on va avoir le droit à un combat de bagarreur, à un boxeur mini contre Terry Bogard. Hein, Suite et on commence direct, hop, jab, power dunk, on essaie de couvrir les avantages de Mernan avec un petit upper, oh là là, on prend déjà un smash du côté de Mernan, on se fait déjà saucer, la Mernan qui profite d'être en bas, hop, on esquive ça, hop, crack shoot, power dunk, la classique wolf, hop, on se prend une dash attack, passe par les airs, oh Mernan peut-être un peu gourmand avec ce bi. Essayer de récupérer son adversaire. Le petit forward air. On balance le petit poids. Et Wolfhard qui a déjà son go. Hein, on va y aller. Oh, la jolie esquive du smash avant. Bon, on revient tranquillement du côté de Wolf. Oh là là. Là, par contre, on a un peu de mal. Et on revient avec un peu de mal. On rate un peu son petit combo. Hop, crack shoot. Oh, on a essayé de mettre des choses qui sont pas trop côté Wolfhard. Hein, et la petite dash attack. Et on essaie encore de mettre ce coup alors que c'est pas trop, monsieur. On va essayer de. Hop, on maintient son adversaire à distance avec une dash attack et ça tue. Première stock. Please the wolf. Oui, et il a toujours son go donc ça peut être très dangereux. Là, hop, la petite dash attack est prise. On esquive bien le poids côté Wolfhard avec ce power dunk. On se prend un petit backer et ça y est, on remet les compteurs à zéro. Mernan qui prend cette stock. 200% quand même, Wolfhard qui aura bien résisté. La petite dash attack côté Wolfhard, une seconde dash attack. Malheureusement, ça prend pas. Hop, le dance throw up B côté Mernan. On remet un up B. On aime beaucoup bouger ici. Hop, on va mettre des petits projectiles côté Wolfhard. Crash power dunk. Let's go, les jab power dunk. On enchaîne ça. Mernan qui passe avec son down B derrière Wolfhard. On prend son adversaire en grab et on met un up B. Et toujours pas, hein, ça tue pas. Hein. C'est peut-être juste pour mettre des pourcents, mais il va falloir trouver un moyen de mettre des pourcentages autrement. Là, hop, on esquive bien côté Wolfhard, le petit jab, on tempo un petit peu, on se prend un petit début de nerf côté Wolfhard. Hop, on met toujours cette wave et ensuite on met une dash attack. Hein. Attention, il va falloir faire attention à ça côté Wolfhard. Et là on a son go, hein, on a le go côté Wolfhard. Mernan qui va devoir faire attention et qui met un hubby. On met un upper. Et c'est récupérer son adversaire avec un hubby encore une fois. Et cette fois-ci, on se fait punir. Wolfhard qui prend la deuxième stock. Avec le combo Terry de base. Et on met encore cette dash attack. Hein. Il va falloir faire attention. Côté Wolfhard, on met peut-être un peu trop de dash attack. Et là, Mernan qui en profite, il met la petite dash attack. On esquive. Côté Wolfhard. On esquive. Wolfhard qui va mettre cette fois-ci, il va le mettre son petit go. Et Wolfhard, oulala, Wolfhard qui vient de prendre la game. Pa, lève les bras. 159%, cet homme est intangible. Intangible. Il veut pas mourir. Et là, Mernan, il va falloir se focaliser un peu. Hein. Il vient peu, mais il vient pas pour rien. Ouais. Il vient faire du sale à la salle. Ah ouais, bah au moins c'était une game qui c'était de la bagarre. C'est que du on tape dans le méchant. Voilà. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de temps de grab que ça.
Badman Game. Voilà, on est là, on joue à l'ancienne. On tape, on tape. À l'ancienne, mon gars. Et donc, nous dit le pick and ban. On reprend sur Small BF. Small BF, est-ce qu'on garde les mêmes persos? Je pense que oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein, avec Wolfhard qui représente quand même bien l'assaut avec ta petite tenue Gamers Garden. Hein. Mais oui, bien sûr. Parce que One Ball, il ne met pas. Non. Ah là là. Le skin a été fait pour Wolfhard. Hein. D'accord. Okay. Monsieur Serin l'a fait pour Wolfhard. Ok. C'est son skin. Très bien. Et on est parti pour cette game 2. Mais non, il va falloir qu'il trouve un moyen de passer outre ce mur de points. Et là, Wolfhard qui, direct, hein, il essaie de taper son adversaire sous la plateforme. Et là, Mernan qui commence à mettre le premier coup. Et là, on met direct un back-air hein, côté Wolfhard. En deux coups, on a rattrapé son retard. Hop, le petit hobby, ça c'est bien récupéré de la part de Mernan. Faire attention de ne pas en abuser. La petite dash attaque côté Wolfhard. On se prend le nerf. On va revenir tranquillement. Pas si tranquillement que ça, au final. On se prend le back-air. Et là, Mernan qui se prend le jab-jab, power dunk. On balance les projectiles hein, des deux côtés. Et là, hop, on tape direct dans le shield de Wolfhard. Hein, et du coup, on se prend la sauce. Hein, jab-jab power dunk, la classique. On a essayé de read un peu son adversaire avec ce up smash. Malheureusement, Mernan n'a pas été client hein, là-dessus. Hop, on a tapé dans le bois, littéralement, en mode tiens, le poids, je te le dégage, moi, j'ai pas de problème là-dessus. On se prend un up smash. Premier up smash de Mernan. Hein. Et là, oh, le poids. Ouh, ça tue pas. On remet un poids. On essaie de read un peu son adversaire. Mernan qui commence à prendre l'avantage sur cette game. Hein. Et on connaît Wolfhard. Hein. Il connaît les pourcents. Voilà. Il est chaud. Il fait plaisir à voir. Il fait plaisir à voir. Il est tout sourire. Il est là pour enquiller son adversaire. Et là, Mernan qui a eu le temps de prendre la stock. On n'a pas eu le temps de voir. Il y a suite à un petit souci technique en régime. Et, c'était que pour toi. Voilà, c'était pour me perturber. Et là, le petit smash bien bloqué de la part de Mernan. On chope le grab côté Wolfhard. On se prend un air, le jab, hein, la rafale de coups. On met le poids. Et cette fois-ci, c'est Mernan qui prend l'avantage avec le poids tout up B. La petite dash attaque côté Mernan. On balance le poids. Très bien vu. Malheureusement, ça passe juste à côté. Et là, on remet un up B. Mernan qui aime beaucoup le up B. Hein, on le voit. Hop. Là, le power dunk. Il va falloir faire attention au DI. Ah, pourquoi t'as pas lancé les matchs là? Allez, Rino. Et là, on se prend ce power. Non, dunk. Laisse-moi rire après, Yuya. Hein. Non, ils veulent faire Elfaragi 2. Le peuple réclame Elfaragi 2. Il y a les Rino Malibido là, ça joue. Ouais. Et là, on prend ça. Ah, pourquoi t'as pas lancé? Il a un petit backer côté Mernan. Très bien vu. Hop, cette fois-ci, on se prend ça. La petite dash attaque de Wolfhard et le Power Jazer. Wolfhard qui a dominé toute la game. Il est chaud. Et c'était une game sans Shining Tatum. Il n'y avait pas de Shining Tatum. Ouais, c'est... voilà. T'as pas voulu fuir au Shining Tatum. Donc, premier match, 2-0 pour Wolfhard. Tout à fait. Ça commence fort. Wolf qui va venir commenter avec moi d'ailleurs, du coup. Ouais. Et donc moi je vais m'envoler qu'à mon match. Et voilà, donc on stream. Non, il vient commenter avec moi, Il est sourd. Non, tu viens commenter. Mais non, il vient commenter avec moi, je te dis. Ah merde. Ah, les oreilles font, je te crie depuis tout à l'heure. Notre Théo est un peu sourd, c'est pas grave, c'est l'âge. Hop là, avec mon fabuleux t-shirt vert du coup qui s'imprègne du fond. Ah ça, faudrait que je le retire, mais le problème c'est que si je le retire, après ça va être chiant à remettre. Avec. Ça marche. Ah. Comment il va mon Wolf? Bah, ça va. Quelle victoire éclatante. Hein. Taper hein. Il n'y a rien de plus sympa que de taper. Tu nous as offert. Donc là on va avoir un petit guide contre Sephara. C'est Farah qui ne s'est pas fait d'Aronhead aujourd'hui, qui va pouvoir. Pour une fois. Qui peut venir jouer. Après, il ne sera pas sur le stream, mais il jouera sur le stream directement. Mmh. Ça nous fait plaisir en tout cas, c'est bien qu'il soit là. Bah ouais.
Bien qu'il soit là, il fera. Donc, si je dis pas de bêtises, joueur de NES, hein, logiquement. Maybe, baby. Contre notre Zelda national. Hein. C'est ça. On ne la présente plus. La blondasse. Pour les blonds, Guido, pour les blonds. La puissance des blonds. Oui, son bonnet uniquement pour en jouer. Commande sans le bonnet et il joue avec le bonnet. C'est un aspect stratégique, peut-être, je sais pas. Ouais. Léa serait une supportrice de Elphara. Alors on a qui avec nous dans le chat, parce que du coup moi je vois pas, trop le chat. Léa qui intervient pour la première fois sur le chat. Allez Ness. Imagine que. Ah ouais, c'est que ça va prendre Ness du coup. Je vais prendre juste de quoi me désaltérer. Vas-y, vas-y, prends de quoi t'hydrater. One Bros Blue qui joue. Vous pouvez avoir le bracket hein, si jamais vous désirez voir l'arbre du tournoi en faisant un petit point d'exclamation bracket et vous aurez l'avancée de vos joueurs préférés en direct. I2 qui va nous faire sa petite Zelda. Oui. Moi, je choisis de ne pas respecter son adversaire, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, on a donc Guido à vous attendre deux secondes, les enfants. Et Farah. On va attendre notre commentateur. Il est où mon commentateur ? Il arrive. Le voilà. Et on est parti tout de suite. Donc, voilà là. Guido Elphara. Donc, bien, pas de surprise. Donc, on a la Zelda de Guido et le NES de Elphara. On va voir ce que ça donne parce que Elphara, on connaît. C'est quelqu'un quand même qui taffe un peu le jeu. Ouais, Elphara qui s'appelait Fort Léa. Donc, j'imagine que. Ouais, ça supporte là, il y a des messages cachés là. Il y a des petits messages subliminaux qui se glissent ici, ça et là. Et donc Elphara qui possède une très bonne maîtrise hein, de son S et qui dose quand même pas mal le jeu, qui dose aussi d'autres jeux de combat, donc en fait qui a quand même une bonne culture générale du versus fighting. Il doit avoir donc un mind game qui est ma foi pas si mal. Et on va voir si Guido, du coup, qui fait plus partie des anciens, hein, l'ancienne génération, on va dire, est-ce que il arrive à tenir. C'est old school contre new school, là. Eh, c'est un peu la bataille des générations, là. C'est la génération Y qui se tape. Et attention avec ce B, évidemment, on connaît hein, Guido qui, à la fois, joue de sa force et de sa faiblesse en même temps, c'est avec son EB. Avec des possibilités qui confirment qui sont très très fortes, mais en même temps, avec un potentiel d'unsafe-itude, ma foi, fort important. Ouais, Elphara, je sais pas quelle était son évolution, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Du coup, je sais qu'au début, bah, il est arrivé, il était un peu faible, il t'a fait bien le jeu. Il a bien step-up de ouf, ouais. Par contre, là, il va perdre la première stock, malheureusement. Et après, il va perdre ses stocks, j'ai pas trop vu les conditions de la perte. À mon avis, je pense que ça aurait pu être quelque chose d'évitable, mais on va dire que c'est le début, hein, on se chauffe, hein. C'est les poules. Bonne contre-attaque après, là-dessus, hein, avec cette attaque mal chargée. Après, il a quand même... bon. Guido quand même qui est un bon client on va dire hein, déjà pour commencer le tournoi donc bon. Guido tu peux pas commencer contre Guido en t'accoulant douce quand même parce que Guido il va quand même abuser de son avantage hein. Ce n'est pas gratuit Guido. Et il est pas gratuit hein. Le jeu ne veut pas dire gratuit. Gratuit 2. Pour l'instant donc on a quand même le bon jeu de Guido là-dessus en fait, c'est-à-dire qu'il arrive à voir les piquets fire en réflexe, du coup, qui a le temps de mettre le shield pour renvoyer le projectile, ce qui est pas mal, un très bon élément de match-up. Qui va permettre d'éviter en fait à Ness et au Elphara de Ness de zoner comme il le souhaite. Alors attention tout de même, hein, certes, il ne pourra pas zoner, mais il y a quand même des trous dans le jeu de Guido pour le moment. On sent que c'est un peu fébrile encore. J'ai vu Guido et Elphara jouer mieux que ça, donc on sent qu'ils sont un peu en mode,
en mode lecture de jeu, quoi. C'est-à-dire, ils veulent s'imprégner un peu du game plan de leur adversaire. Ça whiff un peu, ça whiff pas mal de coups. Donc ça se jauge, hein, vraiment, là, c'est du zoning pur et dur. Enfin, on évite, on se met vraiment à distance pile poil des piquets fire pour pas se les prendre. Mais en même temps, on voit qu'il est à distance de chevalier. Donc ça, c'est un bon élément de match-up. D'un point de vue de la distance, c'est que Guideux a un placement qui est quand même quasi parfait, où il ne peut prendre absolument rien de Ness. Alors attention par contre à ces feux de Dean là-dessus, parce que si jamais il les dépasse, ça peut faire très très mal. Hein. Heureusement qu'Elphara a été gentil sur sa punition là-dessus. Ça aurait pu faire très mal. On continue alors avec la domination légère de Guideux dans ce match, mais en même temps, on sent que Elphara pourrait très très bien reprendre très très vite l'avantage. Mais c'est cette dash attaque qui va terminer la stock de Elphara. Et on recharge le chevalier. On va essayer d'accroître son avantage, évidemment. Là, on renvoie le piqué fire quand on peut. Il va essayer, Guideux, là, de tranquillement zoner, d'augmenter son avantage avec sa deuxième stock. Faire en sorte de conserver un max et d'entamer la prochaine stock dans les meilleures conditions. Pour l'instant, les reflects passent à chaque fois. Très bon élément de match-up, en tout cas. Avec cette smash attaque qui passera dans la garde, mais sans problème en tout cas pour Guideux. Plus de peur que de mal, comme on dit. Et ce fameux combo avec ce up tilt, ma foi, très fort. Hein. Il y a une très très bonne hitbox. Hein. Vraiment, la hitbox, quand on voit la hitbox du up tilt de Zelda, il est vraiment, elle est infâme. Hein. Vraiment, et on renvoie encore ses piquets fire. On va en profiter pour placer la shop. On va placer un chevalier. Attention là. Là il a été gourmand sur ce coup là, Guideux. Donc il y a un tout petit peu de distance, mais ça aurait pu être la fin. On va se remettre au niveau du ledge. Attention, on arrive à reprendre tranquillement la position middle. Je suis un peu étonné là-dessus qu'Elphara soit aussi conciliant sur l'aspect du zoning. On va essayer de remonter. Voilà, très très bien, c'est ce que j'allais dire. À chaque fois qu'il y a un piqué fire qui touche sur les premiers hits, c'est pas fini. Y a systématiquement un reverse shield de Guideux. Et en fait, à chaque fois, Elphara n'en profitait pas. Et justement, au moment où il en a profité, il a pu placer son back air qui lui a fait prendre la stock. Qui revient bien là. Là, il revient bien, il profite de son avantage. Attention quand même. Hein. Il y a un gros potentiel. Il y a pas de gros potentiel de kill direct avec la shop, mais il y a des setups de chevalier et c'est ça qui a fait perdre la stock. 1-0 pour Guideux. On le fera. Ouais. En tout cas, un match très serré maintenant. Elphara, il y a ta meuf qui regarde, alors il va falloir donner fort. Hein. Plus fort que ça, là. Filez-moi ce guide là. En plus, elle tire fort dans le chat, là, donc... Allez, on va sélectionner la musique, j'ai vu, là. Je fais passer ton énergie, hein, Léa, parce qu'il ne peut pas les lire comme il est en train de jouer. Hein ? Ah oui. Elle y croit, Léa ? Bah ouais, c'est bien, fort Léa. Pour Léa, le pseudo qui va permettre d'avoir le Genkidama et de prendre la force du chat. On va voir si ça porte ses fruits. On repart sur SBF et on est parti avec la préparation de chevalier direct. Et voilà, et là, Elphara, il savait, il avait vu le trou. Il a profité pour passer en dessous, très bien vu. Voilà, on va passer au-dessus des feux de Dean. Attention quand même à ses réflexes, hein. On sait que Guideux, son plan de jeu, c'est dès qu'il est un petit peu en difficulté, c'est un peu comme le pile dans un Street Fighter, c'est-à-dire qu'à la place d'un dragon, il a son stand B. Et il en abuse parfois, donc voilà, il faut savoir être patient. Attendre des fois le pif. Et pour l'instant, Elphara, il s'en sort plutôt bien. On rappelle, avec la puissance comme de Ness, au niveau des shops, c'est pas la même. Donc attention à quand même à garder souvent le bouclier. On va raisonner de la part de Guideux, il va prendre ses distances, il veut pas se retrouver dans la situation où justement il se faisait attaquer par en haut ou par en bas. Il va rester au niveau de la plateforme et là il va prendre le piqué fire, on renvoie les derniers hits comme d'habitude. Et on va se remettre au niveau de la plateforme. On a essayé ici avec un up smash de Ness d'anticiper la roll, mais il manquait un petit peu d'espace, ce n'était pas suffisant. Et cette fois-ci ça passe et c'est Elphara qui gagne dans cet échange, j'allais dire qui avait pris la stock en premier, il n'en a pas fallu de beaucoup pour que Elphara y arrive. Mais là, c'est bon, il va prendre deux stocks d'affilée. Aïe, 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 aïe. Là-dessus, là, c'est Guideux qui doit refaire tout son retard. Et que c'est dur hein, quand on a une Zelda.
de pouvoir compenser tranquillement son retard, c'est dur. Il va falloir être patient. Attention tout de même à ne pas être trop gourmand parce qu'on a vu, bien joué, on a vu que justement il avait perdu cette stock en étant un peu trop gourmand. Là il s'est pas fait avoir, un petit smash tranquillement et ça gagne. J'ai baissé les yeux 2 secondes, Guido il avait perdu 2 stocks. Mmh. Guido il a perdu sa 2e stock en l'espace de 10 secondes. Et donc là c'est Elfara qui fait la course en avance, donc Elfara il n'a pas de raison de trop commit, de tranquillement attendre les ouvertures, les failles, le chevalier. Voilà, là il a réussi avec un petit down tilt, un petit down air, pardon. Il permet de tranquillement construire son avantage. Et là c'est Guido qui doit faire preuve de patience. Mais Guido il a l'habitude, il sait, il a déjà fait plein de fois la course en retard. Il a le mental, il sait être patient. Donc le but justement là ça va être pour Guido, voilà, de être tranquille, solide sur ses appuis, c'est ce qu'il est en train de nous montrer. Et là il a complètement rattrapé son retard de 2 stocks. Et là, voilà, là, ça c'est un très très bon élément. Là, il a renvoyé directement le piqué fire. Ça permet de renvoyer tout de suite. Attention à cette match. Mais voilà, directement, il y a le shield de Guido qui pop. Et c'est pour ça, en fait, c'est l'élément où il faut être patient. On arrive à shielder justement le stand B de Zelda. Il y a moyen d'avoir des bonnes ouvertures. Et là, il va trouver cette chop. Attention, là, on va commencer à être à kill confirm hein, pour Ness. Oh, bien joué, ça se reflect. Attention à ce piqué fire. Ça aurait pu être dangereux. Ça va, c'est bien évité par Guido qui reprend le centre. Alors, attention là-dessus. Les petits backers d'Alphara, on va profiter du hit du chevalier, le up smash qui va terminer la stock de Guido, un partout, voilà. C'est ça qu'on veut. Voilà, on parle là. Ah, moi, je suis pour Alphara. Direct. Un partout. Guido qui est... Il est de... Il est... Il a... hein, ça va pas... C'est pas gratuit. Hein. C'est pas gratuit. Pas fermer la porte, s'il vous plaît, là. Genre, on n'est pas en été encore, hein. J'ai froid. C'est pas le barbecue encore, hein. Ouais. Allez sur Smashville, tiens, pour changer. Smashville, à mon avis, c'est surtout pour les setups de chevalier hein, que Guido va choisir ce stage. Attends, on tousse là, il montre la porte ouverte, on a 3 attaques. Ouais, moi en plus, je reviens d'une maladie, donc ça va normalement, aussi, je suis plus contagieux, mais. Ah, bah, j'ai pris cher aussi. J'ai pris une petite grippe là, bien vénère. Ah, pareil. C'est pas le Covid, mais c'était une petite grippe avec tout ce qui s'ensuit, la fièvre, les courbatures, la fatigue, les migraines. Et donc, c'était pas jojo, mais bon, en tout cas, je m'en sors plutôt bien, j'ai plus qu'un petit peu de tout, mais à part ça, ça va. Et on reprend donc sur Smashville. C'est la balle de match, effectivement. Avec la balle de match de Guido contre Alphara. Donc un match très tendu. Hein. On a vu hein, lors des 2 échanges précédents, ça s'est joué vraiment en dernier stock à pas grand-chose. Et là, cette fois-ci, c'est Guido qui décide de montrer qu'il connaît bien ce stage et qu'il adore ce stage parce que comme ça, il peut positionner des chevaliers comme il le faut. Mais Alphara n'entend pas de cette oreille et il lui fait montrer que son setup n'est pas invincible à l'image des backers qu'elle se prend. La Zelda... Et on va continuer sur ce petit jab. On va faire le chevalier avec un devant derrière. On voulait essayer d'être un peu irrespectueux hein, côté Guido et de péter le shield. Il a pris son temps en disant vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a le chevalier derrière toi et moi je suis devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Et voilà, il a attendu. Il va remettre cette table de chevalier. Mais là, il fera qui n'a pas le temps. Il revient tout de suite. Il va passer voilà, à côté du chevalier. Il connaît la distance hein, pour ne pas se faire toucher. Mais Guido en profite aussi. Parce qu'il sait, comme on dit. Le main game. Et là, c'est Alphara qui domine un petit peu parce qu'il ne laisse pas le temps, j'allais dire, à Guido de revenir sur le stage. Mais là, ce B qui va toucher, qui va permettre à Guido de finalement prendre cet avantage dans ce dernier match. Et là, on va charger le smash. Combien il en a pris de up smash? Là, il en a pris au moins 3 ou 4, je crois. Et donc, on va reprendre là-dessus les piqué fire. On va repositionner le chevalier. Alphara qui a un très bon positionnement. On évite tous les chevaliers. On se met hors de distance des smash, hors de distance des chevaliers. Tranquillement. Ah, là-dessus, par contre, il va quand même prendre la pointe de l'épée. Non, ce n'est pas Zoro, c'est le chevalier de Guido. On va mettre un petit chevalier. On essaie de varier les timings côté Guido. Hein. On mystifie un petit peu. Voilà, du coup, Alphara qui n'a pas d'autre choix que d'attendre pour le stage. Attention quand même à cette situation un peu défavorable. Non, c'est bon, il s'en tire très bien Guido là-dessus. Il va quand même prendre un petit combo. Voilà, avec ce UB là qui était bien placé. Cette fois-ci, il avait le droit. Là, il avait l'autorisation de le faire puisqu'on avait vu ce UB de Alphara. On va préparer le chevalier. Il s'en sort très bien, Alphara, là-dessus. Et finalement, on reste globalement hein, en situation even. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le premier qui va réussir à placer une grosse attaque qui va prendre la stock. Donc, ça pourrait très bien être un chevalier ou peut-être une chope de Alphara. Non, c'est bon.
On a décidé de reverse, de faire backthrow. Ça ne suffira pas. Farah qui va en profiter pour placer quelques petits backers. Il rebacker et voilà, là c'est El Farah qui prend l'avantage dans ce match. Il a guidé de haut mur. Hein. Maintenant qu'il est sur sa dernière stock, il va falloir compenser ce retard avec le chevalier, avec des feux de Dean. C'est... Bah, essayer de trouver une faille, mais pour l'instant, El Farah, très patient. Hein. Il ne va pas commit. Il n'a pas de raison de le faire. Il est en avance. Il va tranquillement attendre une faille dans le jeu de Guido. Mais là, c'est Guido qui a décidé d'accélérer le rythme et de faire cette dash attack qui va toucher. Et c'est parti, on est parti sur dernière stock, vraiment 0-0. Balle au centre. Cette fois-ci, on revient. Hein. À chaque fois, on a ces shields-là qui permettent à Guido de contrer les piquets fire. Pour son avantage, là. Et là, il est bien, là, il est plutôt bien dans le match. Oh, avec un bon petit combo! Et ce combo très très. C'est quasi mortel, hein, avec ce fameux Downer Up Smash. La classique de Zelda, hein, qui peut faire très très mal à bas pourcent. On a vu, hein, il était à 60, il est passé directement à 90. A failli tuer, il manquait pas grand chose. En revanche, le prochain sera mortel. Attention, Guido, qui est en position d'avantage quand même. Et El Farah qui va remonter sur le stage, attention. C'est compliqué là pour El Farah, c'est très très compliqué. Ouais. Et là, il va maintenir sa position. Il est revenu. Il est revenu dans le hub B. Il est revenu dans le hub B alors que pourtant, il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison. Quel dommage. C'est très serré. Hein. Ah, franchement, là, s'il n'était pas revenu dans ce hub B, il y avait punition derrière. Et à mon avis, avec la rage, effect, il y avait moyen de tuer. Pourquoi t'as fini toujours comme ça avec Guido? C'est toujours des histoires de hub B. Ça rend fou. Un gros GG en tout cas aux deux joueurs. Ah non, t'en as fait pas mal. Très beau match. Désolé pour pour El Farah, mais qui n'a pas démérité. Non, El Farah qui a très très bien fait. Et d'ailleurs, on rappelle qu'on est en poule, mais dans le winner side, voilà. Ce qui veut dire que c'est pas fini. Il passe en loser, il peut toujours revenir. C'est pas fini pour El Farah. On essaiera de le faire repasser. On essaiera de le faire repasser en sim, à rigueur, ouais, si on y arrive. Ouais. On prend un petit peu de temps. Ok, et là pour l'instant, ça va être donc Yuya contre Rire. Yuya Rire, ah là 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 là. Mon Rire. Ah, notre fameux Golden Falcon. Il y a des gens qui ont envie d'être gentils avec Rire. Pourquoi? Faut le mettre contre lui en stream, tu vois. Bah, mais tu sais que Rire, mine de rien, je suis sûr que si Rire, il était très sérieux, je dis pas qu'il gagnerait, mais à mon avis, il ferait suer. Ouais. Non, c'est parce que Rire, il le prend pas au sérieux le match à chaque fois. Bon, il est où mon Guido du coup là? J'ai plus de commentateur maintenant. Non. Un robot, tu veux venir commenter? Bah, ouais, mais il est pas là, Guido. Parce qu'il branle là. Je sais pas, Wolf, il a pas de match. Y'a-t-il avec Crinière à jouer? Ah bah viens, viens, quand on vient. Ah bah va jouer toi. Je vais jouer. Ouais. Va jouer contre Crinière. Ouais, j'ai demandé Carobou, il va venir un peu avec moi. Ah voilà, bah raison de plus. Bah un peu de moi. Alors, Crinière. De toute façon, j'ai encore 30 minutes d'attente. Bienvenue, mon cher Carobou, sur ce stream. Merci. Mais qu'on avait. Ah oui. King. Yuya. Attendez, les gars, deux secondes. Hein. C'est gentil avec moi. Oui, bon côté, ouais, ça peut être bien. J'ai pas le temps de voir le bracket. C'est Yuya contre Rire, c'est ça? Yuya contre Rire, tout à fait. La parenthèse, il y a de Gamers Garden, hein. Je ne laisse pas de le rappeler. Et ok, les frérots, ouais, c'est bon. Il y a notre premier joueur sponsorisé de l'assaut. Oui, bah, je vais très sponsorisé, pas juste avec le nom, pas juste les gens qui s'affichent avec. Sponsorisé, nous, il pourra aller faire des sondages. Notre nom, tu vois. Tellement on l'aime. Il est fort aussi, accessoirement. Non, pas très fort. Il est ça toi. Alors, attends, là, il joue Min Min de ce coup-là. Min Min Falcon, du coup. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce match-up?
Mine, c'est tellement rare, c'est un peu compliqué à dire. Ouais. Disons que mine, l'avantage, c'est qu'on contrôle extrêmement bien tout ce qui est au sol. Mm-hmm. Ce qui est du coup proche du sol. Le problème, c'est que la vitesse de Falcon, c'est beaucoup un jeu au sol. Ou un jeu à hauteur de short-top. Et le cas, ça peut être couvert relativement bien par mine. C'est surtout profiter du fait qu'il va essayer de le zoner. Essayer de profiter des wish pour essayer de choper, comme il a fait tout à l'heure, un Donby. Essayer de dash in, chill. Il y aura des risques à prendre de côté. Plus du côté de rire, mais. Après, les risques, il aime bien ça en général. C'est ça, je crois que ça va. Et du coup, de son côté, surtout essayer de se faufiler entre deux bras, essayer de prendre. C'est pas un joueur très safe en général. Ouais, je me souviens à peu près quand même. Et que mine, l'angle mort, c'est légèrement au-dessus d'elle en soi. Avec un gars au dehors du terrain, et c'est reverse. Donc, plus discours. Je suis pas grand chose sur cette pluie maintenant. À côté, un mégawatt ou. Un mégawatt. De façon de terminer la phrase. C'est déjà le premier stock de prise. Il n'y a pas trop d'écart. Bah, ça va, il a quand même. Ouais, il a pas trop mal de l'écart. Il s'est fait avoir par la douille. C'est par rapport à la douille day one de Min. Oui, backthrow est smash, l'adverse ce n'est pas true, ça n'existe pas normalement, il ne faut pas se le prendre, faut pas mourir. À 0%, ça ne marche pas, c'est juste ça tue. Ah bah du coup, Yuya qui a maintenant une bonne stock d'avance, en 15 secondes, j'ai de le dire. Et là, je pense que le mental d'un côté est parti pour cette game-là. Je pense qu'il est parti maintenant. Il a un peu trollé, Yuya, du coup, ça veut. C'est knowledge check. Hein. La personne ne sait pas où sa zone ne réagit pas bien sur le coup. Une stock entière. Et du coup, Megawatt qui est trouvé. Et Yuya qui va gagner avec son free stock. Ouais. Après avoir gagné sa première stock, il n'a pas pris de pourcent, simplement. Donc, comme ça, ou pas beaucoup. Il s'est pris un peu. On va voir ce qui va se passer pour la deuxième game, hein, du coup, côté de rire. On va remettre un clip de ça parce que j'ai pas. En fait, il fait quoi? Il fait une backthrow. En fait, à 0%, Mimi peut essayer de faire backthrow, smash avec le dragon, laser du dragon. Ouais. Et le problème, c'est pas trop. Normalement, entre la backthrow et le smash, tu peux air dodge. D'accord. Donc, en fait, si jamais tu l'esquives pas entre les deux, tu vas prendre le smash, tu vas prendre le laser quand t'es au bord, tu vas mourir à 0. Okay. Donc c'était une grosse douille qui était couverte, genre day one du perso. Et pourquoi ça marche spécifiquement à 0%? C'est juste que au-delà en soi t'envoies trop loin et le smash connecterait pas avec le laser. Donc d'accord, tu laisses encore plus de temps pour... à celle-là c'est encore une douille, mais à celle-là, bon, si tu la prends, tu la cherches. Il y a un stade où c'est plus un échec, on va dire. Alors, du coup la rire qui va retourner en position un peu plus saine, à peu près. Position d'ouverture. On est surtout resté longtemps offstage. On a coup de ram, coup de dragon. Malheureusement, l'air dodge. L'air dodge est plus de saut, je suppose. C'est un saut qui est déjà pris ce côté de Yuya. C'est bon, il a plus de saut d'erreur, il a sauté au moins. Quel gamin. Il a fait quelque chose entre les deux. Oui, il a pas tort, ça marche. Ah ouais, c'est la seule à prendre entre les deux. Ah, mais au moins, comme ça, regarde maintenant, il saura, tiens. Ça a sens. Ah, c'est justement l'intérêt. Un bon call sur l'air dodge de Yuya. Eric commence à être un peu en meilleure position. Il perd totalement son avantage. Il est parti sur le terrain, qui a tenté un hubby, mais du coup, déjà deux stocks de retard. Oui. Malheureusement. Ah, la question, ça va commencer à être est-ce qu'il va réussir à lui prendre une stock? Est-ce qu'il va réussir à remonter? Surtout maintenant, en ledge trap, malheureusement, avec. Et ram en ledge trap, malheureusement, en plus, avec ce genre de perso, c'est compliqué sans rien. Non, Yuya qui fait ça entre 1 mégawatt pour essayer d'avoir le kill. Hein. Comment ses nerfs ont commencé à être dangereusement proches du kill. En bretin, les F-Steel, F-Smash et le F-Steel qui prend la get-up attack. Donc Yuya qui gagne, double free stock. Avec des pourcents quand même. Mais double free stock. Eh bien, très bien. Il est bien, ça passe trop. Je le vois d'ici. Du coup, HBK, on a quoi en stream là?
Allez, Bido à Tic. Bido à Tic. Un round 3, ouais, en effet. Bido, tu vas essayer de revenir. Toi, tu joues quand? Moi, je vais affronter Lumia, donc. Ah. Ah oui, vous êtes là. Tu veux continuer à commenter? N'importe. Tu jamais... Bah, vas-y, du coup, bah, on fait un peu. Va faire ton match pour l'instant, là. Jamais les deux sont chauds, du moins. HBK, j'envoie... Il est où? Ah, j'ai envoyé Guido Yuya, là. Pourquoi mais Guido Attic, t'as mis 2-0? Oui, non, mais en match normal, quand on offre. Oui, pourquoi mais Guido Attic, t'as mis 2-0? C'est pas moi qui ai fait. Ah. HBK, t'as mis 2-0 à Malibido Attic. Ok, je me disais, ils viennent de les appeler en stream, je me disais. C'est ouais. Bizarre. Bon, après, tu peux... Ils vont peut-être laisser. Au pire, laisse comme ça, on changera s'il y a besoin. Alors. Nous allons transitionner le temps de faire les changements. Normalement, dans les vidéos, tu peux écouter Yuya. On va voir. Ouais, mais enfin, ça dépend des manettes. Mais... Ouais, je me méfie. Du temps, t'as une chance sur deux. À 50-50. Je m'en méfie. Encore mieux qu'un PS. On va voir. Alors, dans, si je me souviens bien, Attic, il dit Kong, en général. Avec Donkey Kong sans avoir, si j'ai bien compris. Du coup, avec 2, ça va se jouer normalement. Ok, lancé. Ça va s'écrire. Yuyagi 2 sont sur le poste à gauche. C'est une bonne chose. Bah, tiens, on va mettre le braquette en attaque. Le braquette, comme tu peux voir. Tu attends le résultat de ton match, ouais, entre Skinner et Wolf. C'est Kina Wolf, tu as Guido qui est en train de se faire, Maïbido Attic, on va voir. Si on veut regarder le loser, hein. News. Il y a une news qui sort. Hein? Mais non, non, non. Non, non. En loser, on a encore une news, on a Sata, Pellegrino. Pas nos joueurs. Vous êtes prêts les gars? Ah, ils sont pas loin d'être prêts. Are you ready? Malibido il coup à gauche, j'ai rien dit. Il faut attendre la chaîne. Non mais une chance sur deux, faut tenter. Ouais mais il faut toujours être prêt. Malibido et du coup. 15. Ok les frérots, c'est bon, on peut y aller. C'est bon pour nous, ouais. Ça et Gis contre Diddy Kong. Deuxième participation pour le Malibido au Ranking Gamers Garden, donc il avait gagné la précédente édition. La précédente, oui, c'est lui. Ouais. Diddy Kong et Gis. Gis bien connu pour être un bon perso, hein. Meta sans doute. Et Diddy Kong en termes de match-up, pas me rendre compte. Déjà, le Diddy Kong, ça peut avoir quand même des relations au match toujours, chercher des bananes. Même si pour moi, il ne les trouvera pas. Pour moi, on se trouve beaucoup de coups d'épée. Déjà 100% à la ledge, malheureusement pour lui. On va trouver une petite ouverture. Les types de pirates qui vont bientôt commencer à tuer de n'importe où. Faut croire, hein. 50% milieu de terrain, ça va commencer. Cherche un petit peu. Ah, cet arc s'est fait tuer par Attic, hein. Oui, cet arc, dès premier round, la surprise en soi. Ah bah. Attic, j'ai entendu Attic arriver et dire j'ai battu cet arc. Cet arc, il va faire Lucina, je suis bien compris, plutôt que Sonic. Mais il compte jouer les deux maintenant. Ouais. Après tout, ça s'entend. Bon, il a joué contre Allez Rhino, il l'a battu. Oui, là, bah, il attend maintenant. Après, Allez Rhino, il joue tout en ce moment. Donc, il a repris récemment, je suis bien compris. Ouais, c'est ça.
C'est lequel qui a trouvé un stage bien chargé de mitra. Ça va pas trop mal le 15 d'un. Oui, 15 qui bah, vraiment, a eu un début difficile, mais qui a bien récupéré en termes de pourcent. Ouais. Qui a bien réussi à. Ouais, bon, à il a une stock de retard, mais bon, il a quand même bien entamé la stock de Malibido. Après, ils sont avoir quand même du mal à trouver ses premières ouvertures en général. Ensuite, à en tirer quelque chose, mais. On va voir ce qu'il arrive à faire un petit peu maintenant qu'il. Voilà, oh smash. Et du coup, ça revient à deux stocks partout. Quel crack! Et Malibido qui reste sur Pyra, hein, qui veut tuer, qui est rendu à ce stade-là. Quelqu'un qui trouve bien, qui trouve ses bananes, qui trouve bien ça, la banane sur la plateforme. Le nerf qui voit ce son de juggle. Ça devient dangereux, c'est les pourcents où maintenant tout peut tuer. Est-ce que tout, sauf un donner, il fait quoi? Il est bien survivre 15 000 de rien. Derrière ce genre de pourcent contre Aegis, ça se compte Pyra ou. C'est un peu plus dangereux. Là, il a retrouvé ses ouvertures, les bananes. Est-ce que c'est ensuite Maïdo qui essaye un peu trop de choses pour essayer de l'avoir? C'est pas loin, ça a failli tuer la bonne DI. Bonne DI du Malibido, encore une fois. Il n'avait plus de saut, il a essayé d'air dodge, du coup c'est un avantage pour 15. Il a 70 peut-être, mais un avantage quand même. Il n'est plus à 70, qui n'est plus en avantage. Il fallait pas le dire. Ça n'a rien à dire. Comment t'as eu peur? Non, c'est bien CM de rien, une stock partout. Ouais, okay, il a bien survécu, qui a trouvé ses ouvertures dès que Malibido essaye de. Et d'avoir le kill, essaye de trouver quelque chose. Après 15, malheureusement, c'est le mec, il a tendance un peu à. Quand ça se passe bien, il a tendance un peu à se tirer une balle dans le pied, mais. Oui, je peux voir l'idée. On va voir. En tout cas, l'idée, on avance. Hein. Après, il cherche beaucoup. Le petit singe. Aussi, cherche beaucoup ses kills, semblerait. Il vient chercher un espace un peu chargé pour essayer de prendre Nerf Dodge. Allez, 15. Ah. Le type de smash qui était arrêté par le side B. Aïe, aïe, aïe. Donner smash, il ne connaissait pas, qui a tenté un peu de charge, mais bien évité de la part de 15. Qui prend l'avantage. Maintenant, ça va jouer. Ah là là, il a pas grand chose. Les FC qui commencent à faire mal. Et mon Kazu. Beaucoup de avec Pyra maintenant. Et je pense. Mais quel sac à merde. Je pense que la DI était pas bonne, malheureusement, là-dessus. Mais c'est une dash attack qui tue. Quel c'est dommage. Pyra. Quel dommage. Milieu de terrain. Ah, après, une soc à une quand même. Non, mais une soc partout, même, hein, dans tous les cas. C'était terrible. Hein. Mais bon. Il y a Daniel a fait quelque chose de similaire, il peut très bien prendre une game. Il voit même le 7. Ok, j'allais dire que ça a bien changé. Il y a bien une Samus qui est apparue, oui. Sûrement plus d'Aegis, mais une Samus. Peut-être pour essayer de jouer un peu plus safe pour être moins exposé à la banane, mais pour moi, il semblerait que. C'est plutôt. Cher 15 qui se sent bien là-dessus. Ou bien ses ouvertures, ses dash attack, les follow-up, les bananes. Il est bien, il a déjà 100% d'écart. Il laisse pas d'espace à Samus. Tu peux le mettre en stream? Ouais. Ah mince. Ah, tu voulais mettre Satar? Satar, il est en. Mais tu voulais mettre en stream? Ah, Guido, il est déjà passé en. Guido est déjà passé en stream. Ouais, mais le problème, c'est que Guido est déjà passé, quoi. Avec tous les joueurs qu'il y a, c'est un peu con de faire passer deux fois les mêmes, tu vois. Écoute, il passera son prochain tour et puis on le fera passer le prochain tour. Il peut y faire son match là maintenant. Attendant, bah... Un petit avantage lourd pour 15, hein, qui est bien. Mais non, mais je suis... Oula, je regarde le côté. Oula. Non, 15 qui a perdu une stock. C'est juste que la Samus ça... est morte et à égalité maintenant. Coucou Rumpel. Je rattrape un peu. Je crois que tu vas bien. On l'a fait. Coucou Rumpel. Ouais. Il faudrait que j'ai un truc pour avoir le chat, je sais pas un peu plus visible.
Ouais, tu sais, j'ai une petite tablette là, c'est où on aurait le tête qui défile là, pourquoi. André, tu l'as bien là-bas sur le téléphone, je suppose, mais bon. Ouais, peu, mais bon, c'est pas l'idéal. À l'ancienne, quoi. Pas l'idéal. Tu veux passer en stream? Bon, bah, allez, fais-le off-stream alors s'il s'en fout. C'est bien irrité. Faudrait que Maludo ait pris un peu son rythme. Hein. Au début, il avait beaucoup de mal. C'est toujours. Et là, je pense qu'il n'avait peut-être plus de saut. Il a fait un petit mouvement de tête qui indiquait. Je pense qu'il indiquait qu'il y avait un oubli ou qu'il y avait quelque chose qui se passait pas comme voulu. Mais du coup, bah, ça fait un avantage pour 15 hein, pour moi. Là, c'est qu'il y a un haut pourcent, donc ça peut assez vite partir avec sa muse dans tous les cas. Bon, allez, mon Kazu. Peut-être bientôt mourir face de l'edge trap. Peut-être trouver qu'il tue pas encore. Il revient tout juste avec ça. Voilà. Et l'Obstro qui va tuer sûrement. Oui, l'Obstro qui tue. On arrive à dernier sol pour les deux côtés encore une fois. Ouais. Pas de même perso, mais quand même à 100. Voilà. Fait un petit avantage de pourcent pour 15. On va voir ce qu'il arrive en faire, si elle tout confirme. Un bon edge guard peut-être. En tout cas, il laisse pas beaucoup d'espace à sa muse de Malibido. Il est bien en soi. Il doit s'agressif sans pourtant trop se donner. Il est pas mal quand même le 15. Hein. Ah, il est quand même en bonne position pour prendre le game. Et il essaie d'avoir des smash un petit peu en read sur les landings. Là, hein, 15, mais... C'est là qu'il commence à déjouer. Ouais, il essaie de trouver son kill alors qu'il est en avantage. Ça, c'est terrible. Non, on a envie, on se dit on va construire la partie. Regarde comment il s'est fait remonter. Il s'est fait remonter 100% d'un coup là. Après, c'est mal, mais c'est vrai que on se dit. Et là, il a chargé le Don Smash. J'aime pas s'il a besoin de le charger en soi. Tu vois que je vais encore l'insulter dans 30 secondes, je l'insulte, c'est sûr. Ah, voilà, regarde. Oui, dans deux rides, malheureusement. Pas possible. Et oui, ça a été dit en plus. Un Don Smash chargé qui ne marchait pas. On n'a pas le droit au bonheur avec Cap. Il y a eu une tentative de ride, une tentative de grid alors qu'il pouvait juste tuer OF Smash après la banane. C'est terrible. Le salam à banane aussi. Beaucoup de grid, hein, malheureusement, il aurait pu ramener ça au moins à 1. Hein. Ah. Du coup, Caro, tu vas les filer en stream. D'accord. Caro, ah non, mince. Ah. On est toujours en BO3 là-dessus. Toujours en BO3 là-dessus. Moi, tu passes mon premier tour. Hein. Ah, t'as pas d'enjeu? Non. Quand on joue, il y a des gens qui ne sont pas là. Ah, ouais, t'es un tricheur, toi. Pas un tricheur, tu l'as joué, moi. Bon, alors, on va demander qui avons-nous comme commentateur de disponible. Qui deux il joue. Et Wolf. Wolf, il doit être là, Wolf. Mais non. Mais HBK? Bah, ça rentre pas en ligne de compte, ça? Bah, on va mettre un autre, j'ai pas de commentateur, sinon... Là, faut que je m'en occupe. Quand je m'en occupe, tu penses à rien. Vous êtes témoin, Laura et Rumpel, il ne pense à rien, ouais, il me fout dans la merde. Il me fout dans la merde. Oui, s'il commente. Tu veux commenter? C'est pas la question si t'as déjà fait, c'est la question est-ce que tu peux le faire. Il a pas l'air très serein. Hein. Ouais. Toi, Zeket, c'est faire toi? Non. Ok, écoute. Ouais, mais je sais pas quel match mettre aussi. Lee de Satar, ça a commencé. Rit, il a pas de match là. Wolf, il joue. Rire Elphara, ça joue Rire Elphara? Oh, c'est bon, Yaris, allez, joue les gars. Jouez, c'est bon. Ah, bah, c'est bon, Yaris. Il va. Bonjour, Rist. Bonjour. Ouais, tu vas faire ton dépucelage de commentary. Ah. Ah, écoute, première fois. Je suis content de t'accompagner dans cette épreuve. C'est qui joue? C'est Krinar? C'est Krinar en plus. Bon, t'es pas trop perdu, toi. Tu peux trash talk tranquillement. Alors, j'ai le droit de me tromper alors. Ouais. Un peu. De toute façon, on est chill là, hein, tu sais. C'est pas comme quand on fait nos vrais tournois à Cray là, c'est. Tranquillou.
Alors, donc, tac. Donc toi, t'as te soucier de rien, hein, t'as juste à regarder l'écran, c'est ce que les gens ils voient. D'accord. Sur le stream. Et voilà. Donc là, on va avoir donc Karobu contre Krignar. Megaman ou Samu. Et je veux des DD, je crois. Les... Ouais, à moins qu'il change, qu'il ait changé, mais. T'as dit. Ah, je pense qu'il va sortir Megaman. Je pense qu'il va sortir Megaman parce qu'il. Qu'est-ce qu'on va voir? Envoyer les. Pour envoyer les. Les boules. Comment ça s'appelle d'ailleurs les boules? Projectiles d'Adidou. Boules de pique là. Boules de pique. Écoute, on peut les appeler les boules de pique si tu veux. Les boules de pique. Les Gordo, voilà. Voilà. Pour envoyer les Gordo. Hein? En fait, j'attends juste de savoir dans quel ordre ils vont se mettre, tu vois, parce qu'ils aiment bien changer à chaque fois. Ah non, ça va jouer pas tant mis. Ah bah c'est parfait comme ça, ça va prendre 15 ans. Quelle bonne idée. Brawler. Voilà. Ah ouais, en plus. Ah. Le lancer de poil. Tant qu'à faire. Donc là, en fait, il le prépare, mais il est pas sûr de le jouer, tu vois. C'est histoire de bien nous faire chier, en fait. Au cas où. Voilà. Au cas où. Il n'y a pas plus de fois par avant non plus, dans ce cas où il faut jouer la montre. C'est ça. Non, c'est pas super. Sauf un T, le sauf un T c'est. D'accord. Attends, je vais mettre le bracket. Tenez-vous du bracket. Nous avons. Donc Yuya là qui est déjà en quart winner. Enfin non, c'est la demi-winner même. Il va attendre le résultat du match là que nous avons actuellement pour avoir son adversaire. Et l'autre demi-winner, c'est Malibido contre One Brawl. Exactement. Et ensuite, donc, on a. Toi, tu es Ourist. Es-tu encore vivant? Oui, tu es toujours vivant, mais je suis en loser. Ouais. Et tu as été battu par qui? Par One Brawl. Par One Brawl. Terry. Très bien. Et donc, là, donc. Le gagnant de Brawl, c'est de R.K.L.I. Ouais, bon, ça va, ça va être un peu gratuit pour toi, a priori. Je ne connais aucun des deux. Ouais, moi ils sont c'est, nuls. C'est jamais gratuit avec la. Ensuite, on a Attic Elphara qui joue en bas. Donc, ah, Elphara qui a battu Rire 2-0. Hein. Rire qui a pas fait son meilleur tournoi apparemment. Il a fait un 0-2, je crois. Il a battu Nalid quand même au premier tour. Moi, je vois que. On va pas trop mal parler. Ah, pardon. Le 3 contre 3 si jamais je vais jusque là. Combien parce que j'ai pas envie d'apprendre Zelda. Guideux, il a perdu contre qui Guideux? Il a perdu contre lui, bah, le mec enchaîne les 2-0 là-haut. News, c'est pareil, News qui poursuit sa route, qui attend bah, le perdant de ce match aussi également. Ah bah encore du beau monde, hein. Il y a encore du beau monde. C'est pas mal tout ça. Bon alors, est-ce que nos joueurs vont jouer maintenant? C'est la vraie question. Pas l'air tout à fait prêt encore. Est-ce que vous voulez qu'on joue à autre chose les gars sinon? Vous voulez qu'on mette un Mario Kart ou non? Ah, Street Fighter. Ah, Street Fighter. Ah. Bon alors, qui est de quel côté du coup? Karobu à gauche. Il y a un R ou deux R Krignar chez lui? Un seul R. Et voilà, c'est bon les gars, vous pouvez y aller. Mi Brawler contre Megaman. Bon, ça va, du coup, ça change un peu les. Il a quand même sorti son Mi Brawler. Pas... C'est bon. Il ne l'a pas payé pour rien. C'est plaisir. Ah, une zoning pour commencer, des deux côtés, Karobu qui essaie de réduire la distance, Megaman
déjà en situation. Ah. C'est quoi tes pronostics toi, pour le match? Alors, je connais pas du tout le roller de... Le Carobo, il est pas mauvais en général, hein. C'est plutôt un bon joueur. Après, connaissant Megaman, Megaman contre le roller... je suis trop sûr de rien en vrai. Hein. Ouais. Non, parce que les brawls, les mis de manière générale avec leur kit. Bon. Jamais trop dire. Ouais, je pense quand même que c'est plutôt pour Ignar avec son Megaman parce que Megaman a plus de difficultés contre les épéistes. Portés. Ils peuvent facilement casser ses. Pour l'heure, est quand même obligé de venir au corps à corps, même si t'as un peu de. Megaman au corps à corps est. Vraiment. Je pense quand même que Megaman aurait plutôt l'avantage. On va voir. Enfin, on a mis Brawler qui essaie de réduire la distance et venir au corps à corps. Il n'arrive pas trop, qui se fait tenir. Megaman a une bonne défense. Et il a réussi à avoir au passage, mais pour l'instant, j'ai pas vu de séquence où Karobu a réussi à réduire la distance et venir vraiment enchaîner au corps à corps. Là, on le voit qui. D'avancer et Krignar l'aspire systématiquement vers l'intérieur pour ensuite le punir. Il est malin que ce Krignar. Ah, donc après, c'est mécanisme habituel. Hein. Citron, quand l'adversaire essaie de venir au corps à corps, défend, il recule, shield, il avance. Ouais, là, il y a trop de pression. Car au bout. Je pense que ne trouvons pas de solution pour réduire la distance. Il a commencé à paniquer. Et Il a bien roulé sur son adversaire. Hein. Ouh là là. Là, je vois des traces de pneus sur Carobo d'ici là. C'est sûr que forcément, quand tu joues défensif et que ça fonctionne, bah, t'es de plus en plus en confiance. A l'inverse, quand tu essaies de rapprocher et que tu. Ah, faut avoir des absolus. Tu vois que HBK il mange beaucoup, je trouve. Où la diète là? Hein? J'ai l'impression que. Elle essaie de reprendre tous les kilos qu'on a perdu cette semaine, hein. Ah. Je vais prendre un petit palmier. Attends que les joueurs. Tu goûtais les petits palmiers de Popo? Et c'est Popo qui est là? Ouais! Si, c'est un peu. Pourquoi pas? Fort sucré. Ouais, c'est fort sucré. Mais déjà, ça sera pas de la boulangerie, ça. Alors, ça va jouer sur Holo Bastion. M7. Ah, est-ce que ça va changer du côté de Karobu? Oui. Donc, ça repart sur Roi d'Adilu contre Megaman. C'est parti. Alors là, bah, du coup, je renouvelle à nouveau ma supposition que Megaman de Krignar va avoir l'avantage. Ah, c'est purement par rapport au personnage. Normalement, ça va pas être les mêmes histoires. Ah, je pense qu'il y a une meilleure maîtrise du côté de Dadidou. Et Dadidou a un peu plus de zoning, donc il va moins avoir l'obligation de venir au corps à corps. Mais voilà, exactement ce qui était prévu, c'est que Megaman peut renvoyer les projectiles de Dadidou juste avec des citrons qu'il peut spammer. Ça rend le match assez compliqué, Dadidou. En plus que Megaman a globalement la priorité pour pouvoir le combo. Maintenant, Dadidou, ça meurt, ça met du temps à mourir. Et ça frappe dur. Après, s'il arrive à mettre quelques frappes, surtout à casser le rythme de Megaman, il y a moyen de renverser la tendance. Pour l'instant, on est vraiment à. Assez équivalent, c'est plutôt en faveur des Dadidou. Dadidou peut tuer globalement avec un seul titre. Ah, un backer Megaman a réussi à cette stock. Là maintenant, est-ce que Dadidou va reprendre le match calmement? Parce que Krignar, généralement assez calme, mais il profite de l'agacement de son adversaire. Défensif, du zoning, un pair.
Caribou qui n'arrive pas à remonter sur le terrain et à, prier, là, et à casser la distance. Des petits jumps. Projectile, ah, il l'a touché. Dépêche pas de prendre une stock. Bah, il va commencer à cligner trop de pourcents. Le B aura eu raison de ce Krignard. Et là maintenant on est déjà à une différence. 100% le B qui le petit qui n'a pas tué. Un caribou qui s'est temporisé. On tire le rythme. Arc. Edge trap, non. Ah, ça passe pas. Le B sur terrain qui a échoué et qui a permis à Krignard de passer. On réinstalle un gameplay à base de zoning, on garde la distance, on va remettre des pourcents, Caribou qui a réussi à faire la distance, qu'un cutter, auto, backer de partie passe avant. Pour la même tentative, ça marchera, ça n'a pas marché la première fois, ça marchera pas deux fois non plus. Partie graphie des pourcents, très défensif. Vraiment, là je dirais pour Caribou, il faudrait, s'il veut espérer casser le bloc d'avance qu'il a, il faut vraiment qu'il surprenne Dark qui joue un jeu très défensif, qui recule, qui prend aucun risque. Il passe plutôt en faveur de Caribou qui a réussi à l'empêcher de... en 20 secondes. Elle a été réinitialisée. Pour un verre qui touche pas pendant la stock, on a 100%. Elle va réussir à rattraper ce retard. Non, ça s'est un peu inversé. C'est Dark qui se met hors stage pour lui faire du ledge trap. Le garde. Ah, donc là, on voit que les smash commencent à sortir. Le backer en l'air sur le saut. Ça prend la stock. Et c'est Krignard qui remporte ce match. Assez nettement, hein. Hein ? Faut le dire. Ouais. C'est une personne qui dit d'être mauvaise langue. Je suis blessé. Au bout des débuts, là, le carbou flamboyant. Ah, ça. Regarde, il y a qui... C'est pas du drôleur. Bon, et eh ben je... Je n'étais que remplaçant. En plus, j'ai mon match. Je compte plus, alors. Enfin, j'espère que... Je vais jouer donc contre Wolf. Ouais. Ben, c'est parti. Wolf, T'avais prévu qui en stream, Barge? Ah, attends, je voulais... T'as lancé, Elfara 15? Ah, oui. Faut commencer? Il est pas rentré? Non. Du coup Guido il est où? C'est quoi, il y avait un mousse en haut? T'aurais moins dû faire là, ma libido, lui on va les voir après à la fin, tu sais, c'est bon qu'on les a mis en stream. Ça va bien ma mort, ouais. En bon news. Oh bah ils sont déjà en position, c'est pas grave. Je pense qu'en bon news. Ouais. En bon news. Guido il est dehors. Alors. Je suis de nouveau seul. Ah, tac. Yo, Cléto. On va avoir un petit one broluche. Petit one broluche. Contre Malibiduche.
Bah, je te cache pas que je sors d'un match contre Satar et ouais. C'était dur. Et je suis sorti vainqueur. Mais c'est tant mieux parce que de toute façon il devait s'en aller. Donc, ah ouais? Il va pas partir de ma vie. Enfin, il va pas me partir sans, en mettant une DQ. C'est ça. Et grâce à toi, ça. Ça, c'est beau. Ah, j'avoue que j'étais pas serein du tout. Après, il a pas piqué son personnage habituel. Il y a eu pas mal de soucis d'exécution de son côté. Et forcément, bah, j'en ai joué. Hein. Bah, écoute. Mal t'en aurais pris de ne pas, bah. De ne pas en jouer. Alors, on a donc Malibido à droite. Il est doigt tout collant parce que j'ai bouffé des palmiers à popo. Normal. Les joueurs qui sont prêtés. One Ball, jamais t'attends un jour ou comment ça se passe? Rien. Ah, c'est bon, ça y est, c'est bon. Et donc, on a Malibido qui va jouer Pac-Man contre One Brawl. On va voir ce que ça va donner. Hein. One Brawl, joueur très solide, hein, on le connaît. Hein. C'est un bonnet, il faut que je trouve un câble USB. D'accord. Et donc là, en attendant, petite dash attack dans la bouche incendie pour renverser One Brawl. Et là, on prend One Brawl avec ce reverse grab très bien exécuté de la part de Malibido. On va charger les flancs. Et on malheureusement, voilà, la bonne get-up attack sur, du côté de One Brawl. On prend la dash attack côté One Brawl. On prend le power dunk pour sortir de cette situation. Et Malibido qui gère bien son stage. Hein. Il garde le stage comme il peut. Et One Brawl qui a peut-être été gourmand avec ce power geyser. Mais bon, bah, ça n'a pas été puni ou bien vu de la part de nos deux joueurs là, ça aurait pu coûter la vie à l'un d'entre eux. Oh oui, bien vu le nerf de Malibido qui prend la première stock. Hein. Là, on attend, on est bien patient. Power dunk. Hop, on chope son adversaire. La petite down throw. On dash dance côté One Brawl. On essaie de mettre un up smash, malheureusement ça passe pas. La petite dash attack et ça tue toujours pas. Hein. Pac-Man qui est solide, 142%. Et One Brawl qui va prendre son premier coup de cette stock. Il va prendre un second air, hop. Et là, oh, malheureusement, One Brawl, petite erreur d'exécution. Et là, One Brawl, on le voit, il se précipite suite à son raté. Et là, on prend le Power Dunk côté Malibido. Donc, on perd sa première stock. Et One Brawl qui essaie de bourrer dans les frames d'un but, mais hein, bien sûr, ça ne passe pas. Et là, One Brawl qui prend le petit crack shoot. On est bien patient côté One Brawl. Petit jump, hop, on dégage la boussée incendie. Oh, le petit power dunk, le power knuckle. Ensuite, oh, One Brawl qui est bien patient. Et oh, en fait, pas si patient que ça, il a été chercher son adversaire à l'extérieur. Hop, le nerf bien récupéré. La part de Malibido. One Brawl qui passe autour de son adversaire. Oh, le smash bien esquivé. Bien taper son adversaire pour empêcher de se prendre ce down smash. Le petit backer côté Pac-Man. Hop, oh le power. le power geyser. Oh non, pas power geyser. Le power dunk pour récupérer le trampoline. Prends le dunk smash côté One Brawl. On se prend ce nerf. Et là, je pense que ça va être compliqué pour revenir. Ah, on a essayé. Ouh là, on revient pas. On revient pas. Donc là, tout est à jouer. Malibido 23%. One Brawl, sa dernière stock. On prend les petits forward air. Le petit grab. Forcément. Hop. On prend le power dunk. Le nerf bien bloqué. Hop, un second nerf de la part de Malibido cette fois. Et hop, jab jab, power dunk. La classique, Terry. Malibido, on est patient. On garde le shield. On prend la back throw côté One Brawl. On se prend le flanc. Et hop, on met un petit forward air. Et on dégage tout de suite. Malibido qui prend pas de risque là-dessus. On met la bouche à incendie. One Brawl qui va... Hop, qui va grabber son adversaire. On est patient au ledge. On essaie de mettre. Oh, le Shining Tatum! Et on prend le. Oh, le petit backer. One Brawl qui a son go. Hein. Il peut le sortir à tout moment. Et malheureusement, il le sort du mauvais côté. Et le Shining Tatum! Je fermerai pas ma gueule. C'est mort. Merci. C'est mon gimmick! C'est BO3.
Yannick, tire tout. Ça sort des coiffeurs dans les... Allez, on part sur cette game 2. Emma Ludo qui a pique le héros. On va voir ce que ça va donner. Hein. C'est rare de voir un héros. Et on part direct. L'explosion magique qui a été cancel. Du coup, on n'a plus de PM du côté de Malubido. On essaie de revenir tranquillement. Et One Brawl qui va mettre son jab-jab avec ce petit side B. Et là, on est un peu patient. On est patient des deux côtés. Et le power dunk de Terry. On essaie de mettre le bang côté Malubido. Petit jab. Ouais, c'est tout un mécanisme en fait. Tous tes coups, ils consomment de la mana. Et sur ton Dunbee, en fait, tu as une liste de 4 coups aléatoires et qui peuvent jouer en ta faveur ou ta défaveur parce que t'as des coups qui sont genre braqués de fou et t'as des coups qui sont un peu moins cool. Hein. Ah, c'est pas lui qui change d'accord. Non. C'est... En fait, il a le choix entre 4 coups aléatoires. Et là, oh, Shining Tatum! Le classique. Je deviens l'homme à abattre à partir du moment où je dis Shining Tatum. Et là, tu vois, il a tenté un super kill. Et super kill, en fait, t'as une faible probabilité de chance de tuer instantanément ton adversaire. Et en fait, quand tu fais le super kill et que ton adversaire est à 100%, ça tue automatiquement. Là, One Brawl avec son go. Et côté Malubido, on prend son temps. On revient tranquille. Et là, tu vois, là, il s'est mis en tension. Et donc, la tension, en fait, ça veut dire que son prochain coup, il sera beaucoup plus puissant. Des mécanismes Dragon Quest. Hein. Le personnage, il est bien foutu là-dessus. Après, le personnage n'est pas considéré comme très fort. Mais t'as une part d'aléatoire. Et pareil, sur ces smash avant, t'as un faible taux de critique. Comme dans Dragon Quest, en fait. Là, pour l'instant, Malubido, qui avait pas beaucoup de mana, et du coup, il se fait prendre cette stock. Là, on met le Mega Bang. Côté Malubido, le Dance Throw. Oh, on a essayé de mettre un bon smash, sa mère. Hein, on joue un smash ici. Le Shining Tatum qui est tout de suite cancel avec le up B de Malubido. Hop, on reprend le jab. Et là, on a essayé de read une possible roll ou une attaque peut-être gourmande de One Brawl. Là, on met ce nerf. Hop, on chope son adversaire. On met le bang. Et là, le torpeur, ça endort ton adversaire en fait. T'as le rayon. Et du coup, bah, ça endort automatiquement ton adversaire. D'accord. Et tu peux mettre un gros smash pour punir, tu vois. Ça a l'air d'être simple quand même. Hein. Ah, c'est pas simple. C'est pas simple. Et donc, à chaque fois qu'il met un coup, il récupère de la mana. Et en fait, toutes les 2000 secondes, je crois, il récupère un mana. Et donc là, il faut faire attention avec toute sa liste de sorts. Et là, Malubido, ouais, vient de perdre cette stock. Et qui t'a montré ce que c'était le héros. Effectivement, écoute pas. Voilà. En fait, je le voyais. Hein, 2-0 pour One Brawl. 2-0 pour One Brawl, mais Malubido n'a pas pris son perso. Ouais. Pas à moi. C'est pas à moi. C'est pas moi qu'il faut. La semaine dernière, il n'y avait pas. On fait passer qui en stream du coup là? Je sais pas. Lilou, le plus mauvais Théo de l'univers. HBK, le plus mauvais Théo de l'univers. Tout de suite. HBK, apparemment, c'est Kenya du. Et toi, t'attends pas ton match hein, Non, j'attends toujours Karobu News. Ouais. Mais bon, déjà, moi, je sors des enfers. C'est quoi, j'aurais voulu avoir Alpha. Quoi? Pourquoi t'as pas mis Alphara en stream, toi? Et il est déjà passé en stream. Ah oui, bah lui aussi, et puis... Ouais. C'est vrai. T'avais dit Alphara. Ah ouais, mais HBK, il fait n'importe quoi. Alors, après, c'est pas encore en jeu. Je hein. l'avais dit. Non, mais écoute... Ah, il y a Alphara.
Vas-y, le Paris, alors ouais, vas-y, on fait ça. Allez, foutez-moi le camp là. Ous. On peut attendre un peu. Non, mais allez faire en doc, c'est pas grave. Ouais, fait. Ah ouais? Ouais, ouais. Bon, on verra après. Tiens pour lui. Ok. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, j'ai vu qu'il y avait ça. J'aime bien. Voilà. Je préfère fleur bleue, moi, tu sais. Ah bah, je suis désolé, du coup, c'est moi qui l'ai sorti de la rouille. Ouais, en plus. Désolé. Mais c'était un match très serré. C'est vrai que c'est très serré, ouais. De toute façon, je fais que des matchs serrés. Ah là, il va avoir encore du gros client, là. Hein. Ah, ouais. Que des matchs serrés, non, sauf Yuya. Yuya, il m'a atomisé. Ah, ouais. Coucou, hein. Ouais. Ouais, bah vas-y, pose-toi, regarde. Sérieux? Et donc, alors pour notre défense, on a des très gros joueurs qui ont joué dessus et qui sont pas pleins de lag hein, pour nos écrans. Ouais, du genre guideux. Non. Hein? Pas de quoi là? Ah! Pour moi, c'est à cause des écrans. Ouais, mais. Ouais, mais tu joues à Smash, pas à Tao Project, ça va. Non, mais. Je pense que les écrans sont bons. Il y a beaucoup de joueurs de Street Fighter et tout ça qui se sont installés dessus. Alors... Ouais, c'est peut-être que mon câble, peut-être. Mon câble, il a des petits soucis des fois. Tu veux. Non, t'es mort en plus toi. Mort. Ouais, Guido n'est pas mort en plus. T'es mort toi ou pas? Non, t'es encore mort. Oh vas-y, j'ai bu. T'es pas encore mort. J'ai pas une run facile en plus. Non, en plus c'est vrai que t'étais un peu chaud, t'es tombé contre Yuya assez tôt. Ouais, Après, en vrai. Ouais. C'est vrai que c'est deux gros. Il y a Caro bonus. Regarde, il est sorti. Ah ouais, 15, il est sorti. 15 est mort. Putain, Elfarah, t'as tué mon copain. Il est content. Allô. Ah, tu l'auras après, ton vol, c'est bon. Oh, mais t'inquiète. En plus, tu voulais pas de moi. Non, du tout. Je suis toujours en bonne compagnie, toi, Smith. Hein? Ah, et puis il n'y a personne. J'ai pas trop eu le temps, mais... Je vais mettre le bracket en attendant. Le bracket... Comme on peut voir... Donc là, nous sommes sur le match Priest-Elfarah. Quand même un match assez compliqué pour Elfarah. Elfarah qui a fait une bonne run quand même en off, qui a battu donc Obachiro 2-0, qui a battu Rir 2-0 et qui a battu Attic 2-0. Et maintenant, donc, il va affronter Riz. Bon, ça commence à être, un peu plus compliqué. Hein. Là, on arrive, on est en top 8 là. Dis pas de bêtises. On est en top 8, donc ouais, ça commence à être, voilà, les gens qui restent, ils rigolent pas trop quoi. Là, on s'oriente très certainement sur une finale winner entre Yuya et One Brawl. Et donc de l'autre côté, on attend juste que le résultat entre Karobu et News pour avoir le bon, top Rich final. Teste le lag input.
Après, c'est mauvaise langue, je te dirais qu'il y a quand même Léon, Echo, Omika qui ont joué sur nos écrans et qui sont pas oui. Bien d'input. Mais bon, après. Allez. Qui sont-ils pour dire pour juger Léon, je crois, on n'avait pas encore les nouveaux écrans. Ah, si. Hein. Ah ouais? Ouais. Vas-y, Lucas, c'est cool le Théo de la casse là. Oh, ça parle mal de nos Théo. Après, c'est le président, il a nos le. Théo, nos Théo n'ont pas de talent. Tu lui veux quoi, la régie, là, le Théo? Toujours prêt. Et car au bout, ça se termine quand? Ça fait 30 ans qu'ils sont en train de faire un match. Ils sont en train de faire un BO10. Ça doit être ça. Ouais. Tac. Moi, je veux savoir qui j'affronte. Savoir si je perds. Ou je perds. Ok, Mousse, tu l'abordes. Ouais, ça dépend. On ne sous-équipe jamais son adversaire. Orlinou, il débarque, il dit même pas bonjour, tu vois. Orlinou. Salut, mon bon Orlin. Comment ça, 15 est mort? 15, il a battu Satar. Vous vous rendez compte de ça? Et toi aussi, t'as battu Satar, d'ailleurs. Ouais, mais je vais pas me jeter des fleurs. Ça se fait pas. Donc, Écotéris, il est à droite, je crois. Ben, pour l'instant, on sait pas, mais... Je pense que si. Et je tente. Tente le coup. Elfara. Et donc, Rist Elfara, Elfara qui a beaucoup bossé le match-up fait l'Inferno avec notre ami Kaiser qui n'est pas venu. Eh oui. Oui, ça met des tacs. Mais oui, il fallait venir. C'est legit. Legit. Ouais, ouais, parce que ça s'inscrit et ça ne vient pas. Ah, Orlin, il dit bonjour. Enfin. Ouais, enfin, ouais. Après avoir envoyé 7 messages. Ouais, ouais, ouais. Salut, donc... regarde, il s'est mis à gauche, toi. Voilà. Voilà, bon gars. Ah non, c'est justement non. Et donc, on va avoir le droit à... Ness contre... l'Inferno. Alors, est-ce que t'as déjà vu du Feu l'Inferno parce que ça va très vite? Non, c'est vrai qu'on voit pas souvent. Hein. Alors, Feu l'Inferno, en fait, c'est totalement un... Comment dire? Il va subir pendant toute la partie et après, il va traverser en trois coups. Ouais, on a du fun, Orlin, ça va. Et là, hop, n'es pas là, on met le Lariat côté Feu l'Inferno, le petit upper, on met Ness en juggle et Ness n'aime pas le juggle. Je peux vous le dire. Que j'ai moi-même un personnage qui n'aime pas le juggle. Mais le... Oh, on est très patient hein, côté Rist. En fait, Rist, il est très patient. Il va chercher justement à te mettre des coups. Et il va jamais grab vanille, tu vois. Genre, il va pas te claquer un grab. Il a un commande grab, donc il va essayer de te le mettre dès qu'il peut. Et là, il couvre le ledge avec ce neutral B. On remet un upper et là le Lariat et c'est terminé. Voilà, la stock à part. Ça met des gros coups de la corde à linge. Voilà, génération catch attack quand même, tu sais. Tu vois. Là, paf, gros Lariat, encore une fois. Et justement, le fait que ton adversaire subisse et te reverse en trois coups, c'est un truc qui peut être très frustrant quand ta fond t'a fait l'Inferno. Alors on va voir ce que ça va donner. Et là on met le P.K. Fire. Et on... Regarde encore une fois une mécanique de Feu l'Inferno. C'est-à-dire qu'il va pouvoir, contrairement aux autres personnages qui ont un contre, qui vont juste renvoyer ton coup, enfin, lui, en fait, il accumule le contre, il le cumule, ça lui fait une armor, et en fait, son prochain coup sera beaucoup plus puissant. Et là, paf! Ah, on met pas le Lariat. Là, on emmène son adversaire en haut. Là, le Lariat, c'était peut-être greedy. Là, on emmène son adversaire avec ce up B, on ramène son adversaire au sol. Là, hop, on retourne sur la situation où... qu'est-ce que tu vas faire? Oh, ça chope son adversaire, le Lariat. Il a failli tuer à 50%, monsieur. Hein.
50%. Hop, on met le power vert. Ça clanque sur le yo-yo. Le backthrow qui tue même pas. Rist qui est toujours en vie. Avec son, son mur. Hein. Ah là là, on passe sous le stage. Rist, la petite erreur. Erreur d'input, je pense. Et là, on prend ce PK Fire. Là, on est patient. On est patient. Et Ness qui passe tranquillement avec son 6 magnet. Hein. On s'approche tout en faisant des magnets. Hein. On met le PK Fire. On essaie de camper son adversaire un maximum. On ne veut pas prendre de coups côté Ness. Et là, Rist qui... Oh, mais le PK Fire qui passe juste à côté. Et la petite German Suplex des familles. Le petit forward air. Rist qui a essayé de... Oh là 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 là. Kebab. Kebab. Kebabage. Ouais, ça va être... C'est sûr que ça va être compliqué hein, contre Rist. Rist est très fort et Rist ouais, est très patient. Fort, ouais. Et Satar déjà en stream. Ouais, déjà ouais. Sur le chat. Ouais, rebonjour Satar. Mais c'est faisable, hein. Elfara, je pense qu'il faut qu'il trouve le moyen de se ramener au CAC sans subir ses lariates. Et Rist qui a un bon jeu de ride là-dessus. Hein. De rentrer les gens. Oui. Bonjour. Il y a le PK Fire, forward air, on essaie de grab son adversaire, on se fait tout de suite reverse, et là paf, on emmène déjà son adversaire en l'air, et Ness déteste être au-dessus de son, enfin, en dessous de son adversaire. Hein. On est en train de se décaler, hop, le nerf bien chopé, on chope le lariat, direct, Rist qui a faim, Rist il a faim en fait. On est patient. Le nerf bien récupéré de la part d'Elfara. Hop, le PK Fire. Rist qui fait la bonne DI et qui s'écarte directement du PK Fire. On met ce forward air en sortie de plateforme. Hop, un second forward air en sortie de plateforme. Elfara voit très bien que son adversaire peut le faire. Et là, on a accumulé. Tu vois ce coup-là? Ben, il faisait mal. Il l'a contré, il l'a accumulé. Par contre, il a mis un coup pas très puissant. Par contre, ses pourcentages se sont envolés, le lariat. Voilà. C'est violent ce truc. Ah non mais c'est l'inferno. C'est puissant. Le forward air, clac, le lariat. Ça va être que ça. Il va pas te mettre de grab classique. Lui il joue un autre jeu. Hop, on prend le bord. Tranquillement, Rist, il revient avec une get up attaque. Le PK Fire bien trouvé. Hop, on chope ça. On est patient, Rist. Rist qui esquive tout. Là, on se chope, on se prend ce grab. Et là, il va falloir edgeboard comme on peut, côté Elfara. Hop, on met des bonnes dodges. Et le upper qui tue. Elfara qui peut toujours le faire. Le forward air. Hop, c'est tout de suite cancel par le up B de Rist. Je savais même pas que c'était possible de faire ça. Et là, on prend un joli combo. Elfara qui a fait un de ses combos. Oh, et là, on récupère avec l'armor. Rist qui va être dangereux sur cette prochaine action. Le forward air qui... Hop, on prend le nerf. Et le nerf qui a fait quasiment 20%. 20% pour un nerf, c'est énorme. Là, on est encore une fois... Le neutral bee, bien sûr. On met des grosses patates. Hein. Hop, le petit grab. Forward air. On se prend ce forward air de la part de Delphara. On prévoit le compte sur le EPR. On est patient, on est patient. On cherche vraiment à... passer outre les projectiles de Ness et c'est Rist qui mène la danse. Hein. Hop, on a essayé de mettre le lariat, malheureusement ça a été bloqué par le forward air de Elfara. On chope cette back throw. Elfara qui va mettre son up B et hop, on compte tout de suite ce up B. Oh, ah, oh là, ça a été cancel. Ouais, ça a été cancel. Et Rist qui a fait tout le tour de la map pour aller chercher ne serait-ce qu'un petit coup et ce coup peut être mortel. Hein. Oh là, on a essayé. Oh le Don Smash, ça tue. Rist qui a mené la danse. Ouais, c'est trop dur à cette fois.
Il a craqué. Mais c'est chaud, hein. Et s'il est chaud. Oui, je connais ma roue chaude. En tout cas, Alex. T'as vu son. En stream ou pas? Alors, quelle heure là? Vas-y, on fait Caroubou guide en stream. Caroubou guide en stream. Ok. Crignard risque off stream. Via le fratricide. Ça a été ou pas le. Ouais. Prends ta tête, ça. T'as fait la chouille la veille avec Rignard, c'est pour ça. Ok, donc on va avoir Caroubou guide. BO3 toujours. Ah, et puis tu vas encore en bouffer du BO3, hein, parce que ton match après sera encore en BO3. Tu gagnes. Wolfie, j'ai un commenté. Ah, le voilà. Voilà le plus beau des animaux. Bâtard. Dis quoi? Le plus beau des quoi? Des animaux. Enfoiré. Je trouve des animaux un petit peu, tu sais. Ouais. Alors, j'ai envoyé un petit Crignard Rist duel fratricide off stream. Alors, ça donnait quoi Crignard Yuya? J'ai pas vu. Hein. Crignard Yuya? Ouais, mais Crignard Yuya à un moment donné. Hein. Ouais, bah, Yuya, il a mis 2-0. Il a mis 2-0. Tarif réglementaire. Je crois que ces gens, ils sont forts. Mais donc, ça va nous faire une classico Yuya One Brawl après. C'est ça, c'est ça. Ouais, par contre, Van Brawl qui a battu Malibido. Mais les vidéos qui est pas qui est complètement pas gratuit, hein. Je sais pas si, bah, si t'étais là la dernière fois, c'est lui qui a gagné le ranking. Ouais, t'as. Ouais. C'est vrai, à pas prendre à la légère. Quoi. Ah bah pas du tout. Ouais. Et aussi Rist, hein, à pas prendre à la légère non plus parce que. Ah bah, oui, il va te dérouler là. Même bon joueur de faire Inferno là. Ah ouais, contre Alpha, il a. Ouais, déroulé. Ça. Ouais. C'est sûr que si tu connais pas faire Inferno, tu prends tout. Hein. Après avoir leur match là, Crignard Rist, parce que bah, comme ils se connaissent très bien les deux, ça a pu être un match de. Un match-up de joueurs qui fait qu'un match-up de cartons. Ouais, bah oui, ils se connaissent bien. Ouais, et Caroubou guide 2 alors là. Caroubou guide 2. Caroubou guide 2. Caroubou ça va jouer. C'est vrai, c'est ta première fois. Tu verras, c'est toujours agréable la première fois. Caroubou, il est en top. Caroubou, il est top 8, il a fait un match. Caroubou, top 8, un match. Ouais, t'as gagné un match. Rentable. On l'appelle la rentabilité d'un homme. La fraude du jour, on l'appelle. Non, arrête. Le mal, non, c'est un homme rentable. Il est peu pas de match, il est pas mais sans... les victoires qu'il faut. Il n'est pas censé, mais c'est sur rouler dessus. Oh non, ça allait, franchement, il s'est bien défendu. Ouais, enfin, il a pris 2-0. Non, mais parce qu'il veut sortir sans mi-brawler aussi, mais ça compte pas mi-brawler. Faut qu'il joue son Dadidou là. Oh, tu sais, ouais, il y a que les chiffres qui ne viennent pas, et moi je vois 2-0. C'est 2-0. Les chiffres parlent. Les hommes, les chiffres, monsieur. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Après, les chiffres, tu peux leur faire dire ce que tu veux. Ça, tu connais, t'inquiète, hein, dans les reportings, quand tu fais des reportings auprès de la société, tu leur dis 62 milliards de bénéfices, tu précises pas l'année, tu précises pas basé sur quel périmètre et tout, tu sais. Tu peux leur faire dire ce que tu veux aux chiffres. Hein. En tout cas, Gamer Garden ne fait pas 62 milliards de bénéfices, malheureusement. Eh ouais. Peut-être qu'un jour, on aura. On serait pas. Un jour, on aura une. Comment dire, une mise en avant. Vous voulez quoi, vous? Ah, vous voulez jouer? Ah, là, c'est la régie, là. Ah, vous voulez jouer? Ah, vous voulez jouer? Ah, ouais. Aïe, 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 la régie. Non, ça rien va, préparé. Ça va. Ça va, la régie un petit peu aux fraises, mais pas trop. Juste au... une partie un petit peu gambadée, ça va. Petite fraise tagada dans rien du tout. Petite fraise tagada, on est bien. Allez-y, messieurs. Allez, quand vous voulez. Écharpez-vous, donc.
Et Caribou qui décide de rester encore une fois sur son e-brawler. C'est un homme déterminé. Caribou qui a envie de se faire défenseur un homme en stream. À la fois déterminé et en même temps un peu SM. Il aime montrer ses faiblesses. Il y a des petites faiblesses. C'est un homme, c'est un homme, c'est un humain avec, avec ses sentiments. Il aime les montrer. Il aime les montrer. Il a pas honte. un homme de l'exil. Voilà, il montre son grand cœur et ses faiblesses. Alors que au moins Guido, c'est un mec stable. Guido, il est sur sa Zelda, il change pas, il réfléchit pas à coup de torpille. Il reste sur sa blondasse. Coup je ne connais pas. Rombou qui va nous montrer sa fusée. Pour l'instant, en tout cas, assez équilibré quand même, parce que Karobu, mine de rien, il s'en sort pas trop mal. Hein. Pas trop mal, hein. Attends, homme, On a mal parlé, mais finalement. Ça parle mal. Non, mais ça parle mal au niveau des goûts. Ah, par contre, ce Shoryuken, il était un petit peu présomptueux quand même. Hein. Ah, c'est un homme qui ose. Hein. C'est un homme qui ose. Il arrive, il baisse son jean comme ça. Il dit voilà, les gars. Là, je me bats avec tout ce que j'ai. Voici mes armes. Voici mon arsenal. Voici mon arsenal. Vous prenez pas, peu importe. Et moi, je tire avec. Hein. Mais en tout cas, là, il a tiré avec. Et puis, du coup, il a fait perdre la stock à Guido. Ouais. Mine de rien, hein. Bah, Guido qui fait une bonne run hein, quand même hein, pour l'instant. Guido qui fait une bonne run aussi, ouais, mais Guido, on est habitué hein, quand même des plutôt bonnes runs. Hein, c'est ouais, quelqu'un d'assez stable. T'en sors pas trop mal. Hein. Attention quand même à cette dive kick. J'ai remarqué parce que Mernan est un joueur aussi de Mi Brawler. Et ouais. Du coup, cette dive kick qui au début, comment dire, surprend. Parce que bah, du coup, c'est comme quand tu joues contre un perso avec des dive kicks. Tu t'y attends pas, tu fais des entières, tu prépares tes timings, en fait, tu te fais surprendre. Sauf que si jamais ça whiff, si jamais c'est en shield, et ben c'est pas safe du tout. Donc ça passe un peu au début, et là ce qu'on voit c'est que Karobu maintenant il est mis un petit peu en whiff, et du coup là Guido il en profite. Fait plaisir. Karobu se bat avec tout ce qu'il a, et ça ne va pas suffire, il s'est fait éjecter, il s'est fait traîner par le col. Enfin, Zelda là il a fait, allez ça dégage. Zelda dans le rendu vidéo. Karobu, l'homme à la maison. C'est Zelda qui ramène la thune. Pour l'instant, Karobu à la cuisine. La fameuse cuisine. Qu'on connaît bien. Le point de la victoire, mais ça ne suffira pas. C'est plus Karobu. Ah voilà, la cuisine. On met l'avant-bras. La cuisine qui est dans la Blast Zone. La cuisine de la Blast Zone. Un petit feu de din, on va maintenir à distance. La Karobu qui va prendre son temps pour remonter. Pas, on va attendre patiemment. Oh oui, avec ce petit suplex là, let's go. Hein. Il y a du Zangief là-dedans. La Karobu qui s'amuse. Ah, il s'amuse un peu trop, Karobu. Il s'est pris pour un acrobate. Il s'est pris pour un acrobate. Il a tapé dans le chevalier. Et. À mon avis, ce que Karobu ne savait pas, c'est qu'en tapant dans le chevalier, et ben, ça écarte un petit peu. Il aurait pu revenir comme il voulait. Voilà. Et Karobu qui va devoir sortir son pingouin. À un moment donné, c'est un. À un moment donné, les. Les comment dire, les diableries comme ça là, faut arrêter hein. Après c'est ce qu'il a fait tout à l'heure et ça a pas été très glorieux hein. Ouais mais il est meilleur quand même sur son Dadilou, faut reconnaître. Après j'avoue que Mi Brawler il a quand même des grosses forces contre une Zelda dans le sens où il a ouais, la vitesse pour la surprendre. Le t-shirt du Dadilou qui est stylé. Ouais, le t-shirt du Dadilou hein, c'est ça. Homme de goût, homme de goût. C'est un homme, il loupe son switch, il loupe la perte de caractère, il fait Voilà le bonhomme. toi t'as une grosse masse toi. Toi tu mets une grosse masse toi. Ouais. T'as un mec comme ça toi. Quelque chose à compenser. Et Karobu n'a pas une grosse voiture pour information. Il a une grosse masse. À la place il a autre chose. Chacun ses armes. Un gros maillet. Un gros maillet comme on aime bien. Rappelez que ça. C'est un homme du contondant, c'est pas un homme de l'estoc, Garobu. C'est pas un homme qui. C'est pas une abeille. Ça tape, ça tamponne. Allez, Karobu maintenant qui. J'ai même pas vu. Donc, est-ce qu'il va rester sur Fondadidou? Ah, voilà, merci, ça joue les vrais persos. Ça joue les vrais persos. Voilà, les vrais persos du cœur. Là, c'est un homme qui se bat avec le cœur et qui se bat plus avec. Avec d'autres arguments. Le cœur vaincra toujours. Et là, on est sur SD, hein, du coup. Destination finale. On va voir ce que ça dit, ce que ça parle. Mais à mon avis, Karobu, c'est un bon choix qu'il a fait, un bon choix de sage.
Parce que globalement, ça limite un peu les setups de Zelda. Ça servir des plateformes pour sécuriser. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Et pour l'instant, bon, Karobu qui subit un peu, hein, on va pas se mentir quand même. Il a beau avoir un gros marteau, pour l'instant, c'est plutôt l'épée à Guide qui triomphe. Et ah ouais, non, mais là, le match-up est quand même horrible dans le sens où tu ne peux pas Gordo. Parce que le chevalier renvoie le Gordo en fait, par définition. Et ça, c'est très chiant. C'est très chiant. Et là, le coup de talon. Aïe, 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 aïe. Et là, du coup, c'est dur. J'avoue qu'au niveau match-up, Dadidou, c'est pas le meilleur match-up contre Zelda. Faut bien l'admettre. Attention à CFB. On sait que Karobu, il aime bien des fois surprendre avec CFB, mais au niveau de Guido, il ne se fera pas avoir, étant donné la recovery. Et on va bien renvoyer le Gordo là-dessus. Il va prendre le rebond. Aïe, 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 c'est dur. C'est dur pour Karobu. J'ai du mal à s'en sortir. Oh là là, il va prendre la Soso. Voilà, mayonnaise, ketchup, tout ça. Ouh là, il a la complète chef, s'il te plaît. Oh, bien joué, ça. Voilà, staff, on veut voir un bon coup de maillot à deux mains, là. Faut se servir de ses attributs. Parfait. Allez, on va remettre le Gordo pour mettre de la pression sur le shield, mais il y a l'air la chop. On va tenter la downthrow pour avoir un follow up. C'est bon, ça passe pas. On tente une aspiration, j'ai pas trop compris pourquoi. Il veut avaler un chevalier, malheureusement, il est un peu trop gros pour son estomac. Un appétit, oui, il a mangé déjà des tacos, des trucs comme ça, Dadidou, mais le chevalier, c'est un peu trop fat quand même. Et du coup, là, il est un petit peu bloqué quand même, le pauvre Dadidou. Parce qu'il faut trouver une solution et c'est un petit peu difficile avec une Zelda quand même qui est assez mobile. Et puis du coup, qui aime bien mettre des chevaliers. Il a bien raison. On essaie de faire... tranquillement, on va attendre. Et il y a ce chevalier qui est toujours là au port qui attend. Et on va tenter l'aspiration. Il manquait pas grand chose. Mais Guideux qui était à bonne distance avec ce B. Ça ne tuera pas. Il manque pas grand chose. Attention à Karobu qui est au port de la mort maintenant. Est-ce que ce sera un homme finalement du 1-0, Karobu? La fraude, comme on aime bien l'appeler. Moi, je pense que c'est un homme de cœur. Et il ne va pas mourir encore. Il ne va pas mourir. Dadidou qui a bien mangé cet après-midi. Du coup, il tient. Allez, on va mettre un petit Gordo. C'est toujours faisable. C'est faisable. On peut prendre la stock. Attends, on va prendre cette shop. Est-ce que ça va finir? Non, ça suffira pas. Attention, chevalier, cela dit. On va mettre un Gordo qui va se planquer sur le stage. On essaie de remonter un petit peu. Voilà, on reprend quand même un petit peu neutral. Attention à ce Gordo. Oh là 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 là. Ouais, le Gordo qui a été revenu. Aïe, aïe, aïe. Le Gordo qui revient, mais Machida l'a fait. Non, mais moi je te tiens en fait, tu t'échappes pas. Tu vois, je t'ai attrapé moi. Guideux, 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 Guideux. Il va enchaîner, je crois. Manibido, Manibido, passe en stream, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. J'avoue que il faut quand même admettre que le match-up Zelda Dadidou, il est quand même un peu horrible pour Dadidou. Parce que le chevalier qui fait du ping-pong avec les Gordos, c'est quand même bien relou. Non, Wolfie. Wolf. J'ai juste cherché de quoi me sustenter. Ah, parce que celui, j'ai des palmiers là. Je sais, mais c'est sa propriété maintenant. On a plus rien. Don't touch my palmier. Horrible, pauvre Karobu. Je pense que même avec bon si avec un peu d'entraînement évidemment il pourrait gagner. Si c'était Lyoko par exemple, je pense que Lyoko n'aurait fait qu'une bouchée de Guideux. Je pense aussi. Mais le match-up est quand même vraiment pas facile quoi. Et donc on va enchaîner. À quel point il est fort à 40 minutes. Non, il est juste en train de dire j'ai un match-up pour moi, j'avoue. En Guido, c'est plus la personne pour dire désolé, mon perso est trop fort. Moi, j'ai un truc entre les dents. Hein. Non. Non, c'est. Imagine, t'avais un bout vert, du coup, il devient translucide. Et du coup, on a l'impression que t'as plus de dents. C'est peut-être ça. Hein. Tout va bien. Ouais, yeah. Le top 4 est devant toi. Et 15, il était pas là tout à l'heure. Non mais il y a moyen, Guido il a battu Satar.
Monsieur le Phara, il y a moyen. J'ai dit, faudrait que Popo elle vienne t'encourager en stream, mais bon. Hein. Elle est où Popo là? Elle est où Popo là? Elle va venir? Ah, d'accord. Normal. Ah ouais, moi j'attends, hein. Je passe rien. Il est où ma libido, il est pas là? Non, meublé, non. Il est là, ma libido est cachée, mais il est là. Hein. Donc on attend Guido, quoi. Par quoi? La belle Chipomi. Non, j'ai pas entendu le pic de ma libido, mais on le saura très vite. Bon, on doit admettre quand même qu'on a un setup en stream qui n'est pas tifou dans le sens où je serais obligé d'utiliser aussi le téléphone si je veux voir le chat. N'hésitez pas à vous laisser quand même des commentaires. On a notre cher président à côté qui s'occupe pas de les voir. Donc, si vous voulez voir certains joueurs passer ou encourager, n'hésitez pas. Merci HBK de Bad Tio pour son abonnement de. HBK de Bad Tio. Pour son 26e abonnement. Je crois qu'il était. Il était abonné avant que la chaîne soit créée, presque. Ça, c'est beau. HBK, cet homme de main. C'est un mignon, en fait, HBK, je crois. HBK, c'est un mignon. Ouais, on est bon, mon gars. Bon. HBK, c'est l'homme le plus fidèle. Mais au 3, parce qu'on n'est pas encore en top 4. Bon. Non, faut le mériter, tomber au 5 d'abord. Ouais. Ouais. Tout à fait. Et on est parti sur PS2 cette fois-ci, donc on va être avec Malibido qui a choisi Inkling. On va voir ce que ça donne. Alors Inkling, perso très rapide aussi, donc voilà, logiquement, si Malibido s'en sort bien, t'as pas trop laissé de temps au chevalier. Tu as à peine c'est sorti le chevalier direct, il attaque. Hein. Il a pas le time. Hein. Il joue un gros pool de perso, Malibido. Il joue un gros pool, Malibido, ouais. Alors, après, je pense que globalement, globalement, c'est pas mal, mais disons que après, c'est plus une connaissance de match-up. Donc, Inkling, quand tu connais pas, effectivement, les rouleaux, tu peux les prendre. Faut savoir quand te débattre aussi. Faut savoir replay avec la grenade. Il y a 2-3 trucs à savoir. Et voilà, en fait, à mon avis, Malibido qui s'amuse en fait plus avec le match-up. Ouais, que Guido apparemment. Parce que Guido, en fait, il a paré le premier hit, sauf qu'en fait, apparemment, il y a un deuxième hit du rouleau si jamais t'as pas fini assez vite. Et du coup. Le rouleau, c'est partout. Ouais, ouais. Et après, si jamais tu punis pas assez vite, il y a le deuxième hit qui arrive. Ouais, mais. C'est pas le faire, monsieur. Donc, en gros, là, c'est vraiment un manque de connaissance de match-up plus que une mauvaise exécution de la part de Guido. Et là, on a Guido qui. Oh, il nous a tenté. Il a fait un truc, Guido, là, franchement, bien couillu. Il a bien sorti les ballons. Il a dépassé du calbar. Et franchement, c'était très agréable. Hein à 14h. Je suis arrivé avant vous deux, Fonk. Après, Fonk, techniquement, il était là. Il l'a installé ce matin. Ah, je sais. Je vais venir quand même, mais bon. Ouais, mais la puissance du ranking et de la peur sont trop forts. Tu penses après à toutes les heures que tu passes, tu dis ah, je vais rentabiliser mon voyage. Ah, quand c'est même. Ça. C'est quand même cool. Ah, c'est, franchement, c'est voilà, la mif. C'est un plaisir de te voir en plus, c'est trop bien. Oh, arrête. Je vais rougir. Et pour l'instant, on a Malibido avec une stock d'avance, ça sort bien. Économise bien ses ressources aussi. On voit en fait le niveau de peinture de Inkling. Il descend normalement au fur et à mesure, mais il arrive à
faire des économies, ouais, il gère bien dès qu'il a des petits moments tranquilles. Il gère bien sa mana. Ouais, c'est un peu de la mana, ouais. Globalement. On va faire le rouleau pour essayer de voilà, remonter complètement à la verticale pour le stage. Et là, en fait, bah, Guido, on sort quand même très très bien, hein, mine de rien. Globalement, si on exclut les erreurs voilà, de match, globalement, il s'en sort très bien. Et ce upper qui permet de revenir à une stock partout. Allez, on va tenter une petite gun throw voilà, avec la bonne DI hein, pour éviter le nerf. Bah, Guido qui va sortir le chevalier dans le mauvais sens. Attention à ses grenades, mais ça va. Le chevalier permet une bonne défense. Et finalement, c'est Guido là, qui est en train de revenir. Hein. Là, il a tenté un petit truc sympathique. Il a tenté encore son combo. Voilà. Chevalier qui arrête directement le rouleau. Ah, mais Guido, il a le mental quand il meurt. Ah, mais Guido, il est chaud là. Il a fait un petit coup de talon là. Et Dieu sait que le talon, ça fait mal. Il passe de 22%, un truc comme ça. Franchement. Ouais, bien joué ça. Il a trouvé des armes. Il n'a pas forcément trouvé la meilleure arme contre le rouleau, mais il a des arguments. Il a des arguments. Et là, finalement, en fait, la Malibido, là, il est vraiment en situation de défavorable parce que là, ouais. Il a ni l'avantage positionnel, ni l'avantage au niveau des ressources. Oh là là. Et oui. Ça va avoir Smash qui va terminer. Guido, messieurs dames. Guido qui prend la première stock. Guido qui prend la première stock, ouais. Enfin, premier match. Qui peut le stopper? Qui peut stopper cet homme? A priori, c'est pas ma libido pour l'instant. Apparemment, sa libido se porte bien. Ouais. Alors, regarde cet homme déterminé là. Il mal d'avance là. De sa... Il est en train de penser futur top 4. À son top 4, là, il est en train de se dire. En fait, là, il est en train de penser à qui il va pique au match d'après. Il est en train de s'imaginer s'interviewer lui-même. Non, mais après, mine de rien, là, faut reconnaître que le ban va être un petit peu plus important pour Guido. Parce que il s'agirait quand même de garder un peu l'avantage positionnel du chevalier. Donc de ne pas ban n'importe quoi. Et pour info, Crignard a battu Riz 2-0. Et passe donc. Aïe aïe aïe, Riz du coup. Donc Crignard top 4. Ouais. Et on va rester sur une clean, donc re-PS2. Voilà, attention, il y a une petite. Petite arrêt sur image, mais tout va bien. Donc on va voir ce qui se passe. Guido qui arrive pour l'instant à bien s'en tirer. Attention quand même à ses réflexes de grenade parce que ça pourrait donner l'avantage à Malibido. Bon, on est couillu hein, quand même. Oh là, bien joué ça. C'est-à-dire on était couillu côté Zelda là. À vouloir faire carrément une attaque smash chargée devant sa tête. Et au moins on montre que... La pauvre Zelda qui est pleine de Malibido. Elle est toute de rose. Imprégnée de rose. Là, elle s'est fait éjecter salement, 25% seulement du côté de Malibido, ça va. Ouais, la Malibido qui a fait un bon début en tout cas. Ouais. Là, en fait, un peu, mais c'était le même schéma hein, que le premier match. Le premier match, c'était Guido qui était un peu en défaveur. Et là, progressivement, il était en train de reprendre après. Non, j'ai l'impression que Malibido a essayé de montrer des dents là. Bah, en fait, il a montré les dents, mais ce qu'on voit, c'est que Guido, il montre aussi qu'il est capable de sortir des grosses matchs des familles. Hein, genre en mode, j'ai pas de respect. Hein. Capable d'envoyer la sauce. Alors c'est comme s'il est capable de faire neutral dragon. Hein. En mode, t'inquiète, hein, je suis un mec comme As. Là, et par contre, il va prendre ce coup de plein de peinture. Là, ça va commencer à dire oui. Et là, Malibido qui a bien couvert les options avec ce down smash. Et ce back air qui va en terminer. Et là, ça devient très chaud pour Guido. Là. C'est compliqué pour Guido. Là. Ouais. Guido là qui... je ne sais pas si c'est une adaptation de la part de Malibido. Ouais, c'est assez compréhensible hein, parce que là... On jouerait la nuit par rapport au premier match. Ben là c'était le moment où globalement Guido revenait, mais là il est en train de se prendre toute la sauce et il est full rose. Là il va prendre très très cher si jamais il prend des coups. Et il persiste avec ce B, hein. Il persiste, il veut pas les lâcher, il veut toucher. Voilà, avec ce upper. Et c'est peut-être le upper qui vont lui permettre de revenir. Parce qu'en fait ce qu'on voit c'est que bah, systématiquement, voilà. Allez, ah oh, ça tue pas. Il y avait un smash encore une fois. Il aurait pu tuer. Bon voilà, là il va tuer. Mais disons qu'il aurait pu le faire plus tôt. Ouais, sera pas ça lui aurait évité une interaction. C'est déjà ça. Elle va reprendre cette top. Et là, on est full peinture côté Malibido. Attention, là, il s'en sort bien avec ce shield. On va faire la back throw avec le nerf. Et on va mettre un petit peu de din pour qu'elle mette un peu la pression. Mais là, franchement, Malibido qui trouve les ouvertures. Et ce upper. Alors, le upper de King King qui est très très fort. Hein. Vraiment, ne pas sous-estimer. Match relativement sens unique, hein, là, malheureusement. Ah, c'est chaud, là. Ouais. Inkling, elle a un upper de ouf. Il sort très vite, qui fait très mal. Il combo bien.
Donc là, Pecho pour Guido, là, je pense que vraiment, il a l'avantage de pouvoir sélectionner le stage. Il va falloir qu'il réfléchisse bien, là. Il a fait son choix. On est reparti, hein, partout. Allez, c'est encore faisable, hein. Ouais. Pour les mêmes personnages. Il devra-t-il sa libido? Vous le saurez au prochain épisode. Parti sur PS2. Ah là là, il a pris ce rouleau direct. Heureusement, ça va. C'est pas une grosse punition. Allez, c'est là où il faut s'adapter. Hein. C'est là où il faut vraiment analyser ce qui s'est passé. Dire, attends, pourquoi j'ai perdu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pris ça? Pourquoi il s'est passé ça? Essayer de bien revenir. Alors, on voit qu'il y a toujours une préparation du Don't Smash hein, côté Malibido. Donc, c'est un élément à retenir. Hein. Et il va varier les timings. Attention, il va bien attendre la grenade. Mais il va reprendre ce Don't Smash. Et là, cette fois-ci, c'est dur. Hein, c'est dur. Ouais, il se tient la tête là. Il se dit. C'est ça qu'il fait des bêtises. Hein. Il fait des bêtises là-dessus. Hein. En fait, Guido, là, il arrive à toucher un petit peu. Sauf que les moments où il touche, c'est vraiment des petits coups, quoi. Des petits coups de shield, des petits trucs, des petits FB. C'est pas des coups qui font mal. Alors que Malibido, il envoie tout, quoi. Il envoie toute la sauce. Donc là, il y a une vraie différence d'interaction, quoi. Là où Guido, il touche deux fois, il enlève 20%, même pas. Et ben, Malibido, il touche trois fois, il enlève 40%, quoi. Là, il va falloir essayer de revenir. Voilà, bien joué, là, ce reflect. Allez, pour profiter de l'avantage positionnel. Voilà. Ah, voilà, très bien. Je veux dire, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une SD comme ça, mais quelque part, tant mieux. Et on va remettre un rouleau, attention quand même, un Guido qui va prendre son temps. Bien joué, ça. Il a eu quand même la vision d'avenir, de vouloir reflect la grenade. Top 2 match pour Malibido. La Malibido aux portes du top 4. Attention quand même à ces dash attack là. Il est en train de prendre la faute. Attention à CFB aussi. Non, ça va, c'est bon, il se sort bien. Donc, t'as vu, à chaque fois quand il y a une interaction, au lieu de profiter de faire du jab lock, faire un jab, il revient et il fait rouleau. Pour relock derrière. Et on va remplacer la grenade. Et il peut encore le faire, hein. Il peut encore le faire, Guido. Franchement, il suffit de faire 2-3 bonnes interactions avec un chevalier. Et ça passe, hein. Voilà, ce smash. Ça, il peut le faire, il peut le faire. Hey, Guido. Il peut le faire, Guido. Hein. Voilà, on reflecte bien comme il faut. Voilà, un petit smash qui passe. Et ça, c'est des grosses interactions. C'est ça qu'on veut voir. Voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, non, c'est bon, c'est tranquille. Attention quand même, hein. Ou attention à ne pas vouloir trop shield parce que shield c'est bien, mais attention s'il le remarque un peu trop, il va punir. Hein. Et heureusement, voilà, le père qui tape trop fort. Dommage. Ce père qui tape beaucoup trop fort. Et voilà. Et GG à Malibido. GG à Malibido. Il passe en top 4. Malibido, mais franchement, Guido qui aurait pu faire, hein, ça c'est pas joué à grand chose. Hein. Peignard! Peignard! On va passer au 5. Oui. Exactement. On va passer en BO5 pour la demande générale. Mais après, il faisait toujours des bons contres. Il faisait soit un chevalier, soit un. C'est tellement dit. Non, c'est pas. Si t'as shield, up smash, je crois qu'il n'y a aucun perso qui peut pas up smash. C'est pas possible, mec, les gens connaissent pas la chasse. Hein. Nombre de gens qui ont des trucs chroniques aujourd'hui. Je sais pas si c'est le premier day, mais. Moi, je pense que c'est SBK qui a une influence sur Crignard. SBK m'a dit Crignard, moi, mon, à qui je ressemblais à SBK.
Vas-y, franchement, j'aime le catch. J'aime le... j'aime le catch et les hérissons. J'aime le catch et les hérissons, donc voilà, c'est tout vu. Ah là là. À partir donc sur PS2. Donc BO5, hein, mes chers amis. Donc il va y avoir la notion du téléchargement en BO5. Apparemment, Crinière n'a pas la fibre. Ça va prendre du temps. Faut qu'il capte. On va voir. Ouais. Good. J'ai pas mis. Donc on est en 2012h. À 2012h, donc match top 4. Voilà. Pour s'envoler en top 3. Ce n'est pas des losers complets, mais c'est des demi-losers. Des losers à moitié. Moitié de losers. Bon. Les gars. Et donc, Malibido qui va rester sur Inkling et Crignard avec son fameux Megaman. Hein. Pas une équipe qui gagne. Et on est parti. Et on a planté des smatchs hein, côté Crignard là. Et il a quand même pris la sauce. Je crois que Crignard avait déjà joué contre Malibido. Il avait, il me semble justement une chance qu'il avait perdu comme Malibido. On va voir si le schéma se répète. Pour l'instant, en tout cas, c'est Malibido qui s'en sort vraiment bien avec plusieurs chops. On va tenter les uppers et voilà le fameux upper qui va tuer évidemment. Très très fort hein, ce upper. En fait, c'est un peu un upper de Fox quoi. C'est vraiment aussi fort que le upper de Fox. Ça sort vite. Une hitbox horizontale, verticale, je veux dire. Et ça tape fort, ça va vite. C'est plutôt safe. Pas très bon ce upper. Avec Crinière qui pour l'instant essaie de s'en sortir. Mettre le leaf shield, ça suffira pas. On va reprendre un coup de rouleau. Et là, il sait, hein. Il en abuse là, hein, parce qu'il voit qu'il n'y a pas de connaissance du match-up pour l'instant du rouleau. Malibido qui se fait plaisir. Pas encore le rouleau. Et ce bagarre qui va toucher, et là c'est Crignard qui est vraiment dans le mal. Il ne trouve pas de solution pour le moment. 80% perdu, attention, on va reprendre ce rouleau. À chaque fois, il n'y a pas de shield contre le rouleau, c'est dommage. Essentiellement, il y a des interactions perdues. Oh là là là, c'était chaud. C'est bien vu là-dessus. Allez, on va mettre le leaf shield. Ça va gratter un tout petit peu. Allez, il va prendre ce jab. Jab de Inkling qui est très relou parce que du coup ça met la peinture partout. Ça va augmenter après les dégâts. Allez, il va prendre quand même ses petites interactions. Attention à ce rouleau. Hein. Ce rouleau qui a l'air d'être comment dire, vraiment compliqué hein, pour Crignard de passer à travers ce rouleau. Il va se reprendre le rouleau. Et oh là là, il y avait une tentative de mind game là-dessus. Il savait qu'il allait se mâcher. Il s'est demandé ce qu'il allait faire. Allez, il va reprendre encore une fois le rouleau. 125% au compteur, là, ça commence à être compliqué. Attention. Et on a un red effect d'un côté Crignard, donc c'est pas terminé. Pas terminé. Tu ferais de passer un petit shoryuken là, une petite boule. Un truc. Quelque chose, un signe. Une bouteille d'eau à la mer. Je ne sais pas. Mais il va falloir qu'il nous fasse quelque chose, Crignard, là-dessus. Allez, on va essayer de mettre la mine. L'enlever. On va quand même faire une backthrow. Passe en situation d'avantage. Allez, qu'est-ce qu'il va faire, Crignard? Ah, il a décidé d'être très passif, mais après tout, pourquoi pas. La boîte est en retard, c'est pas une raison, il y a encore du temps. Il n'est pas en situation de timeout, et là, ce forward air qui va permettre de prendre la stock, il n'est pas mort, hein, Crignard, il n'est pas mort là-dessus. Est-ce que le téléchargement aurait duré moins d'un match? Je ne sais pas, en tout cas, il a bien servi de. Il s'est servi de la grenade pour rebondir. Allez, on va mettre la roue. Voilà, si. Leaf shield là-dessus. Crignard, là, qui est vachement offensif. Il ne peut pas laisser. Pas du tout laisser Malibido. On va prendre cette chape, mais je pense que ça ne suffira pas. Oh, le bon match de Crignard. Et il s'en sort encore, hein, il s'en sort. Franchement, il s'en sort très très bien pour le moment. Ah, il arrive à le zoner avec sub smash. Hein. Il y a moyen. Et finalement, on est à 70% là.
Et avec le Rage Effect, en fait, il y a moyen. Il y a moyen. Attention à ce shop. Allez, il va se. Ah là là. Non, c'est bon, ça ne suffira pas. Il a réussi à mâcher puis à se défaire de la shop. 222%. On va mettre cette attaque smash. Mais un Crignard qui est en avantage. Hey, oh, qui va toucher 224%. Voilà, 224%, mais après deux fois des shops qui sont développés, hein. Quel homme. Quel homme ce Crignard. Quel homme ce Crignard. C'est la puissance de l'homme qui revient des enfers. Il a vu la mort, hein. Il a vu la lave en dessous de lui, il a mis le doigt de pied, il a fait oula. Je reviens plus là. Voilà, il s'est accroché et il a tenu bon. 1-0. Alors après, par contre, c'est BO5. Donc l'exploit, il va falloir quand même le réitérer. Mais il y a moyen. Ignard, il est confiant. Et on revient avec Inkling. C'était ma libido sur PS2. Et on est parti. Avec cette chose bien trouvée pour le moment. On va essayer pour l'instant. Voilà, Crignard qui va trouver ses petits uppers, ses petits forward air. Il arrive à gratter au fur et à mesure. Mais attention, attention à ses interactions avec le rouleau. À chaque fois là, il a pris. Faire très attention, il va reprendre ce coup de rouleau. Et là, ça va être l'attaque mal chargée qui va tuer. Ah là là là, là il a pris toutes les phases là. Il a pris toutes les phases. Allez, le rouleau bien esquivé. Là-dessus. Ma libido qui, pour l'instant, accentue son avance. S'en sort très bien. Ah, il y a un petit Shoryuken là pour remettre les esprits. Voilà. Donc, Lignard qui fait la course en retard, mais pas tant que ça. En espérant, du coup, qu'il tombe pas trop. Dans les trappes. Attention, il va prendre ce rouleau. On va faire un petit donner là-dessus. Re-rouleau. Ah, dis donc, il abuse des bonnes choses, hein, Malibido. Malibido qui a décidé de peindre tout le corps de Crignard. C'est un peu dégueulasse. Et c'est pourtant ce qu'il se passe. Et Crignard, tout de rose, cède la stock. Il n'en reste plus qu'une. Alors va-t-il nous refaire l'exploit qu'il a fait au début? Il y arrive, franchement, je pense que là, mentalement, ça sera dur pour Malibido. Hein. Ça, c'est sûr que là, ce serait le coup de marteau. Le coup de maillet, comme c'est si bien de faire carreau bout. Allez, avec ce petit up smash. Et on va tenter up smash, attention là-dessus. On va prendre la scie. On va attendre un peu. Voilà, on va remettre un petit forward smash. Allez, on va tenter de spike, hein, quand même. J'avoue que ce serait une bonne opération parce que le spike, ça permettrait vraiment de remettre les compteurs assez rapidement à une stock partout parce que, mine de rien, Crignard tient le coup avec ses 75%. Il va peut-être en faire. Est-ce qu'il va pas nous refaire le schéma du premier match? Ce serait fantastique. Pour l'instant, en tout cas, il esquive bien les rouleaux. On se sert de la grenade hein, pour sauter dessus, c'est un vrai truc de plateforme. Attention là par contre, oh voilà, il a bien mâché au bon moment. Il a varié ses timings, dommage pour ne pas se prendre les rouleaux, mais cette fois-ci c'est le upper de Malibido qui en finira un partout. 1-1-1. Et on est reparti. De ma place, ça m'arrange parce que j'ai tout à faire. Non, vas-y, aussi. Je peux me lécher les doigts? Non, non, désolé. Ça ira. Bah écoute, je peux me servir en même temps, mon verre est là. On est reparti sur ce troisième match. On rappelle, donc là, on n'est pas encore en situation de match. Match de top 3, mais on n'en est pas loin avec encore une fois ces petits rouleaux qui passent. Et un petit peu d'oiseau, s'il te plaît. Ferai là, merci. On va prendre ce jab. On a plus beaucoup de peinture. Non, c'est bon, on a fait un peu des réserves. On va remettre ce rouleau. Attention, on va préparer le smash. Parfait. Le timing parfaitement exécuté de Malibido. Je viens de prendre la stock. Merci.
Crignard maintenant qui n'a pas le choix que d'essayer de rattraper le retard. Il a profité de la recovery pour ne pas se prendre le hit du rouleau. Là on a ces fameux combos, hein. Évidemment on connaît les combos de Inkling, la puissance de Inkling lorsque tu es... Oh, le Shoryu. Et ce Shoryu, Shoryu libérateur, permet de reprendre deux stocks partout. C'est exactement ce qu'il avait fait au match d'avant. Le Shoryu libérateur, le point de la victoire. Et on va prendre ce jab, on est couvert de peinture, donc les pourcentages seront que plus grands. On va reprendre encore ce smash. Là vraiment il a changé ce timing de smash en fait, Malibido. Et là, Crignard, il les prend à chaque fois, du coup, la punition elle est immédiate. Il a été enterré et du coup. Non, mais à partir du moment où il est enterré, mais il y a des moments où il s'en tirait bien en étant enterré, mine de rien. Bah, même si, bon, je suis d'accord que dans l'idéal, il voudrait même pas se faire enterrer. C'est bon. On va dire que là, vraiment, oh, t'as bien vu de la part de Crignard. Ah ouais, on met ce forward air. On tente des trucs, hein, côté Crignard. Hop, le petit up smash. Ou le Crignard qui commence à prendre l'avantage. Ah, sur cette stock, du moins. Après, il va falloir remonter. On avait gardé le saut. Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait, Malibido? Il a voulu être trop agressif et là, il s'est fait prendre à son propre jeu. C'est le premier à rigoler en plus. Et c'est le premier à rigoler. Il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le fifou. Et là, en attendant, on reprend direct avec ce jab. Hein. Megaman, on est couvert de peinture. Et là, on met le shield leaf pour couvrir toutes les options de son adversaire. On va se prendre le bouillard peut-être. Oh non, on n'a pas sauté full hop. Et donc malheureusement on prend pas ce bouillard. Qui a peur, qui joue pas trop au sol, il a peur du rouleur. Le petit backer, devrait pas. Paradoxalement, il ne devrait pas avoir peur en fait. Il devrait plutôt jouer au sol. Ouais. Et là attention, ça devient difficile pour lui de revenir. On va quand même mettre cette mine. On va essayer de revenir. Il va reprendre l'attaque. Malibido qui passe. Malibido qui malgré cet SD s'en sort très bien. Ouais. BO5. Donc 2-1 pour Malibido. 2-1. Et là, ça devient dur parce que Crignard avait gagné le premier match. Du coup, Malibido qui gagne les deux d'après. Finalement, le téléchargement, c'est peut-être fait dans l'autre sens. Hein. Ouais. Crignard qui est un peu en galère, mais après, c'est pas évident. Hein. On n'est pas habitué à avoir un Inkling chez nous. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des Inklings. Hein, parce que du coup, le rouleau pour nous, c'est. Quand t'as pas l'habitude, tu le prends. Ouais. Il débrouille vachement bien. Non, il débrouille très très bien, mais. C'est vrai qu'il manque encore quand même quelques petites punitions de rouleau, quoi. Ouais. Là, en fait, ce qu'on voit, c'est que Malibido, regarde, là, il s'amuse là complètement. Là, il va mettre le rouleau avec ce pair. Franchement, là, c'est 100% côté Crignard. Il va falloir remonter là parce que là, la pression était trop, trop importante. Allez, on va tranquillement. Shitpoke, il aurait fallu incliner le. Ah là là, ce pair, heureusement, la bonne DI. 161% désormais. Ouais. Et c'est le moment où il faut vraiment se la jouer économe. C'est-à-dire que de toute façon, la stock, il sait qu'il l'a perdu. Il faut profiter du Red Effect pour peut-être arnaquer. Le backer qui tue. D'ailleurs, il aurait pu arnaquer, mais comme au premier match, mais ce n'était pas le cas. Et il va prendre la pression là-dessus. Alors, quand il y a le dernier hit du up smash qui vont passer. Il va reprendre 2-3 coups, on va air dodge là-dessus. Hop, on met le Megaman Blast. Allez, la petite chop. On reprend l'avantage positionnel et là voilà, on met des forward air, on l'empêche de passer. Et le backer qui est efficace hein, quand même sur Malibido. Et attention, on couvre. Et là, il va quand même prendre cette chop avec le pair, le Bouya, très très fort. C'est le combo Bouya, le classique. Bien sûr. Bah, ça, c'est... Oh, le Shoryu. Pour moi, ce que je disais, c'est que le pair de Inkling, pour moi, il est aussi fort qu'un pair de Fox. Ouais. C'est-à-dire qu'il va très vite, il fait très mal, il éjecte bien. Et là, c'est fini. Et aïe, Shadow Smash qui va tuer. Et là, Crignard, il n'a pas le choix. Là. Il faut qu'il fasse. Il faut que cette attaque soit là. Le up smash. Il faut qu'il la conserve un maximum. En fait, le up smash est assez efficace. Hein. Il aspire son adversaire directement. On se prend cette get-up attack côté Crignard. Et on prend ce jab. On est couvert de peinture. C'est le moment où c'est dangereux d'affronter Malibido. Cette petite dash attack pour essayer de reprendre l'avantage positionnel. Attention là-dessus. Quasiment l'intégralité de ses coups. Ouais. Et là, le backer qui tue. Ah non, mais c'est vraiment, il y a un vrai téléchargement aussi du côté de Malibido. Hein. C'est dans le sens où avant, il y avait des coups qui passaient. Là, il n'y a quasiment plus rien qui passe. Hein. Quand même des trois petites chops. On va éviter la grenade. Attention. Et là, voilà. Là, on profite du whip de la chop pour placer la sienne.
Crinière qui joue beaucoup en l'air, en fait, il a peur du rouleau alors qu'il ne devrait pas. Ouais, il joue mid-air, mais je il joue tout en short hop. J'avoue que je faisais la même chose, donc... Le truc, c'est que c'est le meilleur moyen d'esquiver le rouleau et... Bah, c'est le meilleur moyen d'esquiver le rouleau, sauf qu'en fait, potentiellement, si jamais tu... Oh, le garde bien, en fait, potentiellement, c'est une punition gratuite, quoi. Et là, Malubido qui a un manque d'encre, peut-être qu'il faut, il va falloir en profiter. À la tech. Et là, on met direct de l'encre. Hein. On va pas rester sans encre côté Malubido. Et là, les Limon pour temporiser, on se prend le grave. Le bouillard. Et voilà. C'est la fin de Crinia. 3-1. Dommage, hein. Pourtant, il y avait 2-3 belles choses, hein, mais le téléchargement s'est fait dans l'autre sens. C'était Malibido qui avait la fibre, finalement. Malibido, c'est un vol sur top 3. Et voilà, donc c'est la fin pour Crinière. Crinière qui va nous faire top 4 dans ce ranking. Et donc, nous avons plus que 3 personnes en vie. Hein. Nous avons Malibido, Wenbrawl et Yuya. Et donc là, nous allons avoir normalement le match. Ce sera Yuya contre Wenbrawl, hein, si je ne m'abuse. Hein. Ça va être la partie winner. On les connaît bien. Ouais, Yuya en bleu, Wenbrawl en rouge. Le match voilà. Retour. Le classico Gamers Garden. Ils se connaissent comme s'ils étaient frères et sœurs, frères et frères. Et... Ça me fait penser que, exceptionnellement, sur cette run du coup, de ce tournoi, je suis passé par la Yuya Road et pas par la Wenbrawl Road. D'habitude, je passe là par la Wenbrawl Road. Ah oui, c'est vrai. Et là, Wenbrawl ne voulait pas de moi. Il n'a pas voulu se taper contre toi. Il a senti que... De toute façon, tu sais, le match-up Terry, normalement, tu l'as dans le sang. Hein. Toi, la prochaine fois, je t'aurai. Déjà, j'ai progressé. Ah, Libido. Ouais, il est fort. Il est fort. Mais la dernière fois, j'avais joué un peu en triplé contre lui. Je m'étais fait laver le cul. Là. Oui, mais justement, à force de se faire laver le cul, au bout d'un moment, c'est propre. Ah, au bout d'un moment, il n'y a plus rien à expliquer. Il n'y a plus rien. Perfect. Allez, Wenbrawl, là, faut bien jouer là, le mental. Wenbrawl qui en fait a évidemment l'habitude, il faudrait remettre les scores à zéro, mais. Oui, bien sûr. Wenbrawl qui a l'habitude de jouer contre Yuya et aussi, c'est vrai, souvent de perdre contre Yuya. Mais en fait, ce qui fait défaut globalement à Wenbrawl, c'est le mental. Et là, on va avoir un Terry Min-Min. C'est bon en régie ou pas? On avance. Ouais, c'est bon, allez-y. Voilà. Donc là, on est en final winner. Voilà, il est trop fort. Il est trop fort en régie, ce guideux. En attendant, on va commencer. C'est parti. Avec donc Wenbrawl là-dessus. Attention, avec ses Burning Knuckles. On garde. On va tenter évidemment des crackshots pour essayer de se rapprocher. Alors, on va tenter des rolls, mais c'est bien vu par Yuya pour l'instant, qui maintient sa pression avec sa Min-Min. Et là, c'est vrai que c'est l'effort de voir... diminuer les distances, il va être côté Terry. Il a le Shining Tatum, hein. Toujours. Hein. Un petit Shining Tatum, bien sûr. Il va mettre un petit combo, hein. Petit combo starter nerf. Et on va bien apparaître. Ah, dommage, il manque un peu pour le grab. Dommage. Et le nerf, côté Wenbrawl. Pour cette dash attack. Et on se paye guard avec les bras de Min-Min, hein, bien sûr. Attention à ce smash là, non, c'est bon, tranquille. Là, par contre, là, c'est horrible. Là, c'est la situation des avantages la plus horrible qu'on peut avoir avec Terry. Et là, voilà. On a perdu le saut. Non, mais de toute façon, Terry, c'est vrai que dès qu'il est en désavantage contre Min-Min, c'est horrible. C'est vraiment horrible. C'est vraiment au moment du neutral, voilà. C'est le moment du neutral qu'il faut montrer qu'on a l'avantage. Là, tu es avec, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le Burning Knuckle. Ouais. Et là, par contre, elle est horrible. Cette situation, elle est horrible. Mais il faut. De toute façon, c'est le but d'un Terry, hein. C'est de pas se retrouver dans cette situation-là. De toute façon, on le sait. On sait que c'est horrible, donc il faut faire tout pour éviter cette situation. Et on a tenté un petit down-tilt, on a essayé de décaler avec un petit forward smash. C'est bien vu par Yuya, bien évité.
qui va s'accrocher. On va essayer de tenter le spike. Ça ne passera pas. Et notre joueur de Gamers Garden qui est en train de rouler un peu sur One Brawl. Ouh là, on a tenté le spike. Il y a eu la tentative de donner là-dessus de Yuya. Heureusement, ça a touché du bon côté, donc ça n'a pas spike comme il fallait. Enfin, en tout cas, il était plutôt safe. On va tenter des petits down tilt. Et ce Burning Knuckle qui se remet en situation de désavantage. Attention. Oh, Shining Tattoo. Le Shining Tattoo qui ne suffira pas. Ouais. Et la dash attack non plus. Et Yuya qui ne joue pas Kazuya, mais qui a quand même envie de mettre un électrique. Hein. Yuya qui a bien mangé cet après-midi. Ouais. Il tient sur le stage. Oh, le down tilt, ça récupère le nerf. Le nerf avec le rage effect, attention. Et là, maintenant, cette situation, elle est horrible. Je l'ai bien. La situation, elle est horrible pour Terry, parce que là, c'est échec et mat. Hein. C'est vraiment échec et mat. Si Min Min ne fait pas d'erreur, en théorie, c'est fini. Et Yuya qui attaque son adversaire. Hein, et ça tape dans le mental. Hein. Ah, mais le problème, et c'est d'autant plus le problème que One Brawl, justement, ce que j'en parlais, c'est que à mon avis, si tu prends des faces comme ça, il y a de quoi faire rager. Et le but, c'est justement de ne pas céder à la tentation, de rester simple sur les bases. J'ai essayé d'appliquer aujourd'hui. Il ne faut jamais tilter dans ce jeu. Et on va tenter. Il va tenter un pick Yoshi One Brawl. Alors, est-ce un bon choix? Alors, je suis dubitatif parce que Yoshi, ok, je suis d'accord, sur le papier, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, je ne sais pas si One Brawl, il a l'habitude de... J'ai le background. Ouais, disons que Yuya, ça fait plusieurs fois qu'il se ramène à Amiens et qu'il perd contre notre... Ah oui, il déteste Yoshi. Il déteste Yoshi. Il déteste Yoshi. Apparemment, Yoshi Mimim, c'est dégueulasse. Et peut-être que One Brawl a voulu lui rappeler cette mauvaise époque. Ouais, bien sûr. Alors, c'est sûr que mentalement, ça doit être dur pour Yuya, mais après, il faut aussi avoir le talent de bien jouer Yoshi. Et la question, c'est est-ce que One Brawl possède un Yoshi très solide? Le truc, c'est que... Parce que One Brawl, c'est pas Grément non plus. Mais... Comme de Yoshi. Mais en attendant, Yoshi a des avantages avec sa bonne mobile. Oh, il y a Ariane. Et ouais, gros smash, sa race. Les coups de crâne, là. Et ben, ça marche bien. Ça marche bien. Et là, on va mettre le donner côté One Brawl. On revient avec l'œuf. Hop, on prend pas ce donner. On prend par contre un air. Et hop, le petit backer. Hop, d'un tilt. On voit des éléments de match-up qui sont super intéressants pour Yoshi. C'est-à-dire qu'il passe en dessous. Et là, franchement, One Brawl qui a peut-être coupé le bon pic. Hein. Alors, par contre, on se prend un électrique. C'est pas Kazuya, mais on prend les électriques. Hein. Ouais, donc pour l'instant, en tout cas, il nous offre des belles choses, hein, One Brawl. Vous voyez, One Brawl a appelé Grément. Grément est chez nous. Voilà. Ah bah voilà. Bah, sache qu'on parlait de toi, monsieur Grément. Et que... Oh là là, One Brawl a sorti le Yoshi. Il est fou. Il a sorti le Yoshi, justement, pour contrer la Min Min de Yuya. Et il peut débrouiller vachement bien pour l'instant. Il s'en sort bien. Et la question, c'est ce qui va tenir aussi le rythme, parce que il y a un peu l'effet de surprise de Yoshi, mais Yuya... Yuya, c'est Yuya aussi, hein, donc... Grément, il est solide sur les appuis. Du fait que tu sois là, pour que tu nous donnes un avis sur le Yoshi de One Brawl. C'est... bizarre. La dernière fois qu'on a vu One Brawl faire un pic comme ça, il avait sorti Little Mac contre la Min Min de Yuya, et il avait gagné un set. Avec Little Mac? Avec Little Mac. Remarque, ma foi, pourquoi pas, hein, on a la vitesse au sol de Little Mac. Hein. Bah oui. Et là, très bien esquive de la part de One Brawl. On bloque l'électrique, hein, et on essaye de camper. Oh là là, on essaie de lui mettre le backer. Le nerf de Yuya. Yuya qui repart sur les bases. Hein. Yuya qui est en mode. Il a remis la distance. Tu m'approches pas. Tu m'approches pas. Oh, dommage, il y avait une petite situation de jab-lock là-dessus. Hop, on essaie de mettre l'œuf. Et là, Yuya qui est en bonne position. Oh, l'œuf qui vient. Il va quand même prendre un peu de protéines là-dessus. Ah, ouais. On est un peu loin. Non, ça tuera pas. Ça tue pas. La bonne DI de Yuya, attention. De donner et permettre de finir. Aïe, le tracage. Aïe, il mange rien du tout. Je me suis dit, One Brawl va terminer en Upper et amener Yuya en Star KO. Comme Grément et Tissier, ça aurait été le clair. Ça aurait été stylé, mais ce n'était pas le cas. La bonne vieille de Yuya, du coup, il est resté en vie.
Il ne s'avoue pas vaincu, mais il n'était pas loin. Hein. Il n'était pas loin. Par contre, tu vois, là, il y a le téléchargement. Là, il y a le téléchargement. Bah, en fait, moi, je pense que tu vas voir. Moi, je pense que Yuya va beaucoup plus accentuer son avance. Là. Bah oui, là, il va plus camper. Il va retourner sur les bases. À mon avis, ça va être plus dur pour One Brawl. On verra bien. Hein. Peut-être que je me trompe, mais. Mais je pense que. Voilà, tu te fais un peu surprendre par le pic, évidemment, d'un personne qui a pas l'habitude, donc tu te fais un petit peu oui, et après surprendre. Tu chopes les petites mauvaises et après, habitudes. Tu vois les mauvaises habitudes, voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui aime bien ça. Hein. Il aime bien read, il aime bien lire le jeu de l'adversaire. Et donc, à mon avis, One Brawl, car il y a rien à perdre, en fait. Il sait que son Terry il va pas fonctionner en vrai. C'est pas oh, bah, moi je pense que d'accord que c'est un peu chiant avec Terry, mais effectivement, la situation des As c'est l'une des pires que tu puisses avoir. Mais en neutral, il peut faire le taf. Hein. Oui, après, il peut faire le taf. Yuya m'a dit un truc tout à l'heure quand il m'a détruit. Il m'a dit, ouais, je t'ai vu, bon, t'as pris Linkartoon pour ta première game. Est-ce que tu pensais gagner? Je fais, bah non, c'est pas gagné. Bah pourquoi t'as pas pris Linkartoon sur tes deux games? Au moins, t'as appris, tu vois. Que le match-up Zelda, enfin, Zelda Min Min, c'est pas fou. Ouais, c'est pas fou. Et voilà. Et le petit backer, One Brawl, qui remet un peu les pendules. À presque zéro, et bon, hein, c'est compliqué. Et là, c'est la danse des nerfs. Hein. La danse des nerfs, on essaie de passer. Et peut-être ouais. One Brawl qui est un peu trop gourmand. Hein. Ah, One Brawl qui est pas forcément trop gourmand, mais là, je pense que c'est ouais. Yuya qui a un bon placement. Là. C'est Yuya qui maintenant se place exactement comme il faut pour empêcher One Brawl de faire et son jeu. On le voit, One Brawl, il hésite dans son jeu, tu vois. Il se dit, ah ouais, mais ça, il l'a pas pris tout à l'heure. Et du coup, bah, je vais pas le faire. Et. On voit qu'il hésite et Yuya en profite. Hein. Yuya qui... Voilà, un petit hop. Il connaît. Hein. Voilà, là, il a pris, il a téléchargé là. Il a téléchargé le Yoshi de One Brawl là. Ça va être beaucoup plus et dur. Là, le nerf, hop. Allez, il y a... Oh, bienvenue là. Cette petite phase, elle était vraiment sympa. Ouais. Et regarde, en deux smash, on est déjà à 50%. C'est abusé les dégâts. Une mine. Le petit backer. One Brawl qui revient directement sur le stage, on se fait direct coach par Min Min. Hop le père. Oh, dommage, là il y avait une bonne situation d'avantage là-dessus. Oh, c'est là, vois, il a été hésitant là-dessus et il aurait dû y aller. Mais... La reine, le phénoménal de Min Min. Mais c'est trop beau. Et donc, on va enchaîner directement avec Malibido contre One Brawl. Et voilà, la donc, revanche. Malibido, One Brawl. La revanche. Il me semble que One Brawl avait battu Malibido. Voilà. Et Malibido qui avait pris des pics un peu douteux. On l'a vu, il a pris le héros, je crois. Et il a eu Malibido. Ah bon, en fait, One Brawl a sorti Malibido de Winner Bracket. Ah, d'accord. Et One Brawl avait gagné les deux games. Et il y a eu un héros en deuxième game. Et première game, je ne sais plus. Un héros de Malibido. Ouais, un héros de Malibido. D'accord, bah intéressant, mais. On va voir. Malibido. De toute façon, je pense que One Brawl ne bouge pas. Non, je pense que bah il va rester en ouais, il va rester. Excusez-moi, petit rappel. Malibido, t'avais pris quel perso contre One Brawl sur le winner bracket? T'avais pris le héros et t'avais pris un autre perso. Pac-Man, oui c'est vrai. Ah oui c'est vrai, il y avait un Pac-Man. Salut Rumpel. Et du coup, nous ne sommes plus en final winner, mon cher. Oui, c'est nous en final loser. C'est vrai. Sachez qu'aujourd'hui, j'étais perturbé parce que il y a eu des matchs où il y avait personne qui voulait faire de pierre feuille ciseaux. Donc je n'ai pas fait. Moi, j'ai perdu tous mes pierre feuille ciseaux. Moi, j'ai gagné tous mes pierre feuille ciseaux. Et moi, j'ai fait full. Tout le monde a sorti ciseaux. Tout le monde sort ciseaux. Tu comprends pas, moi du coup je sors tout le temps Pierre. Bah moi je gagne. Moi je sais que quand je tombe sur toi, je prends la
Je sais que tu vas prendre la pierre, du coup je mets la feuille. Parce que toi tu veux faire la bagarre. Ça marche. Ouais, moi c'est ça, quoi. Moi c'est les points fermés. Et du coup tout le monde est en mode ah. Moi je veux pas la main, moi je suis pas fermé. Ouais. Parce que on a mal dit qu'il a essayé de me faire un piège, je sais pas si t'as remarqué. Ah bon? Oui, oui. Depuis tout à l'heure, il voulait affronter ma Zelda sur Smashville. Et du coup, en fait, il m'avait piqué et il m'avait laissé spécialement Smashville. Je dis, non, non, je tomberai pas dans ta double, moi je prends PS2, moi. Moi je suis chez moi, GG. C'est non. Mon stage aussi. C'est mon stage. De toute façon, vous avez fait full PS2, hein. Ouais. Ah, non, on va voir. Inkling Terry, ouais, why not? Bah oui, mais on sait comment ça s'est passé hein, la dernière fois. Ah, Terry, il perd tout son soi quand même avec des petites taches de peinture sur le jean, là. Ouais, ouais, ouais. Oh, oh dans le bon smash carrément. Le motif de recoupe de peinture. Oh, oh. Ouais, même la grenade, il s'en bat les steaks. Hein. Ah ouais. Ah dommage, le spot dodge. On a essayé de mettre une petite passe côté Malvido avec ouais. ce petit pot de peinture. Et là, oh, le Burning Knuckle. Et ouais, parce que Terry, il s'en fout en fait. Il fait Burning Knuckle et en fait, il prend pas le rouleau. Oh le. Oh, oh oui, bien vu ça. Très bien vu ça. Il avait lu la rôle, il était préparé. Hop, le Shining Tatum qui dépassait un peu, hein. C'est exprès, c'est pour varier un peu. Ouais, et là, voilà. Par contre, là, on va prendre le rouleau. One Brawl, oui, bien sûr, il ne faut pas sauter. Oh là là, face à un Terry. Tellement de smash qui passe. C'est la folie. J'adore ce mix-up, hein. Nair, Power, Burning Knuckle, je veux dire. Ah bah ça, c'est un combo starter, normalement. Quand tu vois Riddles, à chaque fois, c'est combo starter, basson à base de nerf. Et One Brawl qui a envie de mettre des up smash. Ah, il a envie, hein, ouais, c'est... il a envie de faire one up smash. Oh, on prend le rouleau. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, oh, bien sûr, la bien variation. Ah, oui. Il a attendu, il a attendu. Hein, il a pas mâché. Il a pas mâché exprès. Oh, ah, et là, du coup, il va prendre un bouya, bouya, bouya. Bien sûr, la bouya. Let's go. Attention, parce que j'allais dire, ah non, maintenant. Oh, le Bull Reverse. Oui, alors là, fallait y penser. Et le Shining Tatum. Shining Tatum. Allez, là, ça tue. Enseignez-vous, Shining Tatum, très bon acteur. Attention à ce nerf quand même, là. Il s'est mis en situation de défavorable. Prends ce jab. Je ne sais plus. On va prendre ces petits échanges, mais là, ça va. Avec ce Power Knuckle. Burning Knuckle, pardon, oui. Qui va permettre de revenir. Attention, on va tenter. On va essayer de remettre un petit donner en déphasé. Ouais, donner déphasé pour remettre le rouleau pour ensuite mettre un smash. Ouais. C'est bon, on commence à connaître nos limites. Ouais, c'est la phase, hein. c'est sa phase. Hein. Ouais. Sa phase officielle, il l'a faite aussi contre Krynia. Et contre. Non, pas contre moi, hein. C'est pas passé. Oh oui, bien allez, sûr, voilà. Le Tiger Knee, il ne faut pas l'oublier. Oh, Shining Tatum! Aïe aïe aïe, il va prendre le smash. C'est pas mort, c'est pas mort, c'est pas mort. C'est pas la fin, c'est pas la fin, mais ça va être dur parce qu'il a plus rien là-dessus. Oh, si, là, oh là, il va quand même remonter! Oh là là! Il a remonté! Incroyable! Même lui n'y croyait pas, mais c'est pas fait. C'est quoi? YOLO! Voilà! Ok, on a compris, l'auto-turn est magique. Ah, mais franchement, c'est vrai, quand t'as l'habitude de jouer Terry, ça fait tellement du bien de pouvoir. Face à l'adversaire tout le temps, c'est tellement bien. Et donc game 1 pour One Brawl. One Brawl qui arrache cette victoire, mais de rien du tout, hein, par contre. C'est grave serré. Et le truc, c'est que le contrairement à Yuga, on le voit quasi Malibu perd des games. Et ça le rend accessible. Mais alors que le mec est juste trop fort. Je ne comprends pas. Ouais, qui Malibu? Oui. Ouais, mais c'est parce que... Je pense que c'est quelqu'un justement qui prend le jeu, tu vois, avec philosophie. Pas le jeu de premier degré. Ouais, il est. Joue sur le mental. Mais la différence, c'est que je pense qu'en termes de mental, Malibido est quand même très très bon parce que la pression, il l'avale, tu vois. Enfin, ouais. Il s'en fout. C'est-à-dire qu'il la ressent pas. La pression, lui, au contraire, il s'amuse, il essaie d'apprendre. Chaque game, pour lui, c'est une game où il tente des trucs. Ah, on fait pas un bouillard, on fait un forward air. Pourquoi pas? On change. Hop. Grenade un petit peu. On va mettre le back air. On fait son adversaire côté One Brawl. Hop, upper, Shining Tatum. Forcément. Allez, bim, voilà. Petit forward smash là-dessus. Hop, oh, le crack shoot. Oh, ça le crack shoot. Le crack shoot, hein. Bien le crack shoot. Ah, qui va faire une orientation d'éjection assez spéciale. Je pense, mentalement, Yuya préfère que One Brawl gagne total.
je pense qu'il préfère affronter un One Brawl en winner en finale, en grand finale, que un Malibido. Ah oui, bah c'est sûr, parce que Malibido, je pense que mentalement, il peut tenir hein, les longs sets. Hein. Ah ouais, bien sûr. Parce que on voit qu'il est constant, on voit qu'il est constant dans son match. Il arrive à trouver à chaque fois les bonnes opportunités. Là où One Brawl, tu vois, il y a des petits moments de comment dire, où tu vois, on sent qu'il subit la pression, il en a marre, quoi. Alors que Malibido, il s'en fout un peu, tu vois, il est plus constant. Des gens comme ça qui prennent vraiment le mental, hein. Et beaucoup vu sur la game de que j'ai faite contre Satar. On le voit, il est sensible à la pression. Ah oui, ouais, il y en a qui sont très sensibles à la pression, alors que Malibido, c'est vrai que tu vois, je trouve qu'il y a moins des erreurs grossières, tu vois. En gros, des fois, il y a des coups vraiment pas safe qui sortent. Ouais, bro, enfin, Satar m'avait posé la question en mode qu'est-ce que j'ai mal fait pendant mon match. Et il a repris cet award match. Je jouais sur ton mental, j'ai dit je vais être agaçant. Ouais. Non mais c'est ça, il faut jouer avec le mental de son adversaire, c'est-à-dire que si ton adversaire est sur le papier plus fort que toi, mais que tu sais ce qu'il faut faire pour pour faciliter, tu peux gagner quand même. Malibido qui a un avantage, un One Brawl est recouvert de peinture, et on le recouvre de peinture. Les pourcents qui s'envolent. On a un terri tout violet. Ouais. Et là, à mon avis, ça va être dur parce que là... Il va y avoir quand même ce power dunk. Et là, on est en situation de go, donc là, s'il faut comeback, ce serait maintenant. Et là, je crois que Libélio, il va pas le laisser en temps de story, parce que là, il va pas faire la bêtise de la dernière fois. Hein. Non, même pas. On met la bombe. Oh, on essaie de faire des combos chelous. Bouya. Voilà. Le joli Bouya. Bien sûr. Et j'ai profité de ce moment de pause pour dire que je suis actuellement aux anges de recommenter avec vous. Voilà. C'est ça. Bah écoute, ça fait plaisir parce que du coup, j'ai aussi moins besoin de commenter. Du coup, ça me permet de faire des petites pauses. C'est vrai. Monsieur Banin, c'est un FT3. FT3, ouais. Finale, donc on va déterminer la position du troisième de ce ranking. Et là, direct, hein, on attaque avec le rouleau. Genre, on n'a plus de respect. Hein. Libido qui a plus de respect. Là. Genre, il a décidé que Terry, c'était sa moquette. Il veut reprendre. Il aime bien commencer ses games. Ses game 2, en fait, après une victoire. Il aime bien commencer de manière très agressive. Ah ouais, non, mais là il manque de respect. Hein. C'est-à-dire que là, ça sort le rouleau, mais non-stop. Hein. Alors là, pourtant, ce serait justement une occasion pour One Brawl de profiter de ces moments de... Il n'y a pas de bouillard, on n'est pas sûr, regarde. Je te dis, One Brawl, tu passes un bouillard, je ne fais pas de bouillard. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, qu'est-ce qu'il nous fait, la One Brawl, là-dessus? Aïe, il y a des erreurs réalisées, bouillard. Eh ouais. Ah comment ils quittent le bouillard, je ne sais pas. Ah, tu peux pas, ça sort trop vite, hein. Il y a des moments, c'est vraiment dur. Vraiment. Et il s'agace, One Brawl, je le vois, il s'agace. Et du coup, le problème, c'est ça, c'est que quand tu t'agaces avec un perso type un Choco, les erreurs d'exé, en fait, elles peuvent te coûter cher aussi. Hein. Bien sûr. Et là, dommage, j'ai pas de follow-up là-dessus. On va quand même faire le power dunk qui va toucher. Hein, bien joué. Tiger Nil, tout ça, c'était safe. C'était safe parce qu'il était vraiment sur la retombée. Ah, bien vu ça. Il y avait un bon début combo de starter. Là, franchement, c'était stylé. Attention au shield. Le shield qui a mal. Hein. Ouais, mais il a bien tempo. On va remettre bon match. C'est pas s'il a matché. Et oui, bien sûr, la bombe qui s'est bien. Le Shining Tatum qui fait exploser la grenade. Ah. Et là, il est tout en violet, là, ça va faire mal. Attention là-dessus. On a essayé d'être agressif. Et la raison, parce que la recover de Terry, on sait qu'elle est pas non plus ouf. On a été. Il va quand même prendre ce Shining Tatum. Il est passé. Le petit Power Geyser. Et là-dessus, il est agacé quand même à Libido parce qu'il dit « Oh, vas-y, j'avais la game là et avec ce coup, il est repassé devant. » Ah ouais, mais ça, c'est Terry. Hein. Ah, c'est Terry. Hein. On connaît. Allez, on va mettre ce petit combo. Oh, la petite fin. Voilà. Oh non, ça whiff. Bah oui, c'était pas assez en hauteur, donc du coup, ça whiff. Et le Bouya. Je connais quelqu'un qui a voulu vraiment beaucoup le faire sur son premier match sur le tournoi et c'est jamais passé. Ouais. Je dirais que ce mec est actuellement en train de commenter avec moi. Mais... Ah ouais, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas passés à un moment. Ah là là, contre Mernan, je l'ai fait plein de fois et il était passé pas. Mais l'avantage, c'est que il était un peu freeze. Il se disait, oh merde, ah j'ai l'avantage. Bah, du coup, il réagissait pas trop. Donc je me suis dit, bon, bah tant pis. Oh le rouleau. Allez, tout en violet, attention. Oh là là.
Et là, Manu, c'est chaud. Le Power Gen, ça tue. Mais pourquoi? Pourquoi est allé là? Parce qu'il fallait le tenter. Bah oui, alors le Power Gen qui touche, du coup, bah ouais. Et là, game 2 pour One Brawl. La game 2 pour One Brawl, surprenant parce que je m'attendais à ce que là, bon bah, pression de Deza avec Terry, ça va être compliqué, mais en fait. Et Banane 2 qui a tenté. La Black 2, c'est terrible. Bien sûr. La fameuse. Ah ouais, c'est terrible. Terrible. Et niveau ratio tiers. Et Malivido ouais, qui veut jouer avec panache hein, et tenter le tout profit. Et on est reparti pour ce quatrième match One Brawl Malivido avec donc cette fois-ci une balle de match hein, pour One Brawl. Il eut cru pour moi parce que je m'attendais à ce que Malivido augmente un peu son avantage. Et là on a une phase de combo là de. Peut-être se sent mieux hein, là. Oui en fait c'est un homme du mental donc s'il est à l'aise dans son combat ça va aller. Mais dès qu'il est en danger, dès qu'il est un petit peu malmené, ben il subit tout de suite en fait. C'est quelqu'un un peu du tout ou rien en fait. Un mec un peu du tout ou rien. Donc quand tout va bien, c'est nickel. Le rouleau, et voilà, le rouleau, par contre, c'est ça qui va l'agacer. Tu vois, ça l'agace. Ça l'agace, le rouleau, de se les prendre. Mais Malivido, il le sait, hein, donc il va en abuser, mais... Je sais que Malivido met des pourcentages, mais il en met beaucoup. Et il faut faire attention à la mécanique de One Brawl. Le go, c'est trop dangereux. Ah, le go, c'est grave dangereux. Ouais. Et là, surtout que là, en plus, c'est une situation de désavantage. Donc là, on a une situation de potentiellement power geyser. Hein. Donc on sait... que la relevée en saut n'est vraiment pas à privilégier contre un Terry qui est en situation de go. Oh, il y avait le start-up. Hein. On l'a vu, il a fait comme ça, mais ce n'est pas passé. Là, on prend la première game côté Malvideo. Oh, on met les comptes à la côté One Brawl direct. Hein. Voilà, il ne s'est rien passé. Voilà, t'inquiète, moi, je suis là. Fais ton cauchemar. Allez, le petit crackshot qui passe à travers. On va reprendre ce... de rouleau, attention à ses air dodge, hein. C'est ce qu'il cherche hein, justement. Malibido cherche l'air dodge. Allez, on va quand même placer. La bombe bien placée, peut-être. Ah non, pas attendre là. Ouh, ce rouleau qui a failli trade. Attention, allez, c'est bon. Là voilà, situation de power de Burning Knuckle. Allez, on va quand même mettre rapidement. Un petit crackshot et oui, le voilà, c'est bon. Le crack. Oh là là là. Le bouclier. Ah oui, à trop vouloir garder. Hein. Terry, ça fait mal au shield hein, quand même. Hein. Faut pas croire. Allez, le forward smash. Voilà, les et classiques. Là on va Malivido. La Malivido, il sait qu'il a plus le droit d'erreur. Donc là, à mon avis, il va dire tu sais quoi, on va faire les trucs rentables. Hein. Les coups rentables. Aïe 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 aïe, il se le prend ce rouleau. Heureusement, ça va. La punition est pas trop longue. Franchement, elle a eu à 75%. Dans cette phase. Ouais. Mais heureusement que le rouleau n'a pas été trop rentabilisé. Attention, peut-être encore. On va remettre un jab. Et de la peinture. Attention, là, on sait que par contre, il y a une situation de go. Hein. C'est pas fini. On sait que là, il y a une possibilité, hein, franchement. Ouais. À 55%, il peut tuer, Terry. Hein. Avec le Rage Effect et le go, il peut tuer. Hein. Le Vakir vient placer de la bombe à Malvido. Voilà, là, c'est speed, ça détective. Ils se font des gauche-droite. Shining Tattoo. Ça ne suffira pas. Oh, attention à l'air dodge. One Brawl qui a l'avantage. One Brawl qui a l'avantage. Oh non, mais pourquoi il a fait ça? Le rouleau, forward smash. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Il a pris 3 rouleaux. Pourquoi ça prend Jager de l'autre sens? J'ai pas compris, monsieur. Et donc, on aura le droit à une game 5, messieurs. Le power Jager dans le mauvais sens. Aïe. Alors le chat qui participe et qui dit une victoire pour Malivido. Une victoire de Malivido? Oui, prédiction. Prédiction, d'accord. Ouais. On va voir, en tout cas là, il est un peu saucé là, le One Brawl, on entend. Et Yulia a peut-être fait le vide, je ne sais pas où est Yulia, mais... Yulia, lui, il est en train de se délecter du match dans son sur son, ouais, mais je pense sur son fauteuil. Il est pour One Brawl. Hein. Ah bah bien sûr, il est pour One Brawl, hein, parce que Malivido, il est dans le... Il est dans l'apprentissage, Malivido. Il est en mode ah ouais, d'accord, j'ai pris ça. Bah, tu sais quoi, ok, je prendrai plus. Ouais, mais Malivido qui a une couronne à garder. Et puis, c'est vrai qu'il y a le ranking. Hein. Il y a la couronne du ranking. Hein. Là, One Brawl qui joue comme un dieu.
Ouais, alors oui, alors, il trouve les bonnes solutions. Il a un peu varié son plan de jeu, mais on sait que mentalement, voilà, attention. Hein. Franchement, il s'en sort bien. Hein. Il s'en sort vraiment bien parce que le Burning Knuckle, il n'était pas sec non plus. Hein. Le rouleau, oh, très bien, comme ça avec le nerf, le smash. Le smash de One Brawl. Le web smash qui lui a bien servi sur ce coup-là, ça lui permet de prendre une avance confortable, d'être tranquillement, on va dire, dans sa zone de confort. Attention à ses crack shots, hein, quand même. On va faire un power dunk pour rattraper un peu. Oh, et voilà, bien sûr, on se prend des down tilt, attention, hein, on connaît la relevée de Terry. Oh, le trade avec le rouleau, et il a décidé de pas mâcher, et c'était un dodge. Oh, c'est chaud, là. Ah là là, c'était spaghetti, hein. Ah, c'était tendu, il va prendre CM7 Chop et le Bouya. Non, c'est bon, on a un air dodge. Hein. Il avait trop peur du Bouya. Ah oui, le bi. Non, non, c'est bon, ça. Oh, oh oui. Il avait rien à faire, hein, il tuait. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Mais bon, il a voulu assurer. Si, je pense qu'avec une spot dodge, il revenait. Ouais, mais il avait plus le spot dodge, je crois. Ah non, après le update, de toute façon, tu peux pas, tu peux faire dodge. Non, mais il l'avait retapé. Ah, je sais. Non, non, il était mort à la base. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il a assuré, donc il n'y a pas eu de problème. Il est déjà mort. Allez, on va faire un petit air combo là-dessus. Et là, c'est One Brawl là qui était. Voilà, il a attendu patiemment. C'est ce Burning Knuckle qui a failli tuer. On va revenir en rouleau. Attention, il avait attendu, il savait. Il savait One Brawl. Il savait, il va prendre cette grenade là-dessus, attention. Hop. Oh, et le rouleau. Non, on va mettre un jab. Il sait qu'il tuait pas, il tuait pas encore. Là, on va rechercher. On va remettre une grenade. Ah oui, ça touche. Ça va toucher. Et le rouleau. Smash. Aïe. Et là, attends, parce que là, on a plus de go, on a plus de go côté Terry, mais c'est pas grave. Il suffit d'un petit Shining Tatum et on fait perdre la stock. Comme s'il ne s'était rien passé. Oh, voilà. Ah, le frame trap. Il avait tué là. Oh là là. C'était la mort. Oh là, c'est l'erreur. C'est l'erreur. Ma libido qui en profite. C'était l'erreur. Voilà. Shining Tatum. Shining Tatum est 48% au compteur de Terry. Hein. Ça va être dur avec un peu de marque de peinture. Et là, on a une Inkling toute fraîche. Coup de peinture. Le jab, on enchaîne. On va mettre la grenade, le rouleau. Ah, là, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Donner, rouleau. Et. C'est. Oh, ça tue pas, c'est bon, 160%. Il est pas mort. Ah, allez, là, shot. Là, il faut faire attention là, parce qu'un One Brawl à 160. Et il a plus rien à perdre, on le sait. Hein. Il a plus rien à perdre, One Brawl. Il va envoyer la max. En mode, j'ai des couilles. Le grab, allez. Attention, allez, il y a moyen, il y a plus moyen, il peut encore revenir, Malibido qui passe, en grand final, aïe, très bien joué, ah là là, dommage, c'était un grand match, mais franchement il y avait possibilité même à la fin, tu vois, à 160, il y avait encore moyen de réussir, mais bon, faut trouver l'ouverture, Bien joué à Malibido. Malibido, du coup, qui se délecte de sa victoire. Et qui a pris sa revanche. Il a pris sa revanche, ouais. Donc, là, on a l'attaque des titans. Le titan colossal contre le titan bestial. Là, et le grand final. Mais où se trouve le titan originel? Lui qui connaît déjà le match-up à l'avance. Et Julia, je m'en fous. Ah là là. Grande finale. Bien sûr. Avec, il faut le noter quand même, Malibido qui est en loser. Oui. Il va devoir reset. C'est vrai. Il veut pouvoir remporter ce deuxième ranking. Alors, on va quand même mettre le petit tag GG. Voilà. Et tu peux préciser aussi que Malibido est en loser. En loser. Bien sûr, monsieur. Voilà. Et nous sommes partis. Let's go. Yuya avec Falco. Avec Falco. Pourquoi Falco? Bah, peut-être que Mime, c'est chaud. Ah bon? Moi, alors, je pense. On va voir. Hein. Mais moi, je mise mes pièces sur le fait que ce soit un mauvais choix. Bah, moi, je pars du principe que Falco, c'est pas mauvais. Non, mais Falco, c'est pas mauvais. Mais pour moi, peu importe ton niveau de jeu, enfin, même les grands joueurs, je veux dire, faut pas s'éparpiller. Non mais le truc c'est que du pour un match-up. Mais en ce moment il est blasé de Palutena. Il veut plus. Oui je sais qu'il est blasé de Palutena mais je veux dire potentiellement tu peux très bien sortir Min Min. Après il connaît Falco. News joue Falco. Oui News joue Falco bien sûr.
Et là, par contre, là, les rouleaux, ça prend beaucoup moins parce que Uya, il fait en sorte de ne pas se les prendre déjà. Ouais. Là, on allez, met ça, hop, le tonnerre. Kebab. Ah, ça va pas toucher. Et Bouya, non, ça, ça suffira pas. Par contre, le prochain Bouya, il sera mortel. Et on voit que Uya a déjà choisi un Falco violet pour moins subir la peinture, je pense. Ouais, ouais, c'est ça. Et là, on reste coincé sous le stage. Non, ça passe, ça passe. Ça passe. Ça passe, le forward air bien trouvé de la part de Uya. Et ce side B qui permet d'enlever les ennuis. Bon side B, hein, il aime bien. Et le forward air, et on prend le kill, monsieur. On prend le kill, effectivement. Je m'attendais pas. Donc, c'est side B qui permet de, en fait, finalement, de, d'arrêter de, mettre, de subir la pression. Thinking. C'est vrai que c'est un bon outil. Et après, la question, c'est est-ce que finalement, il va réussir à tenir la, la cadence Yuya. Au bout d'un moment, je pense que Malibido, il va voir tous ces side B. Il va commencer à trouver une parade. C'est à ce moment-là où le match va prendre une autre tournure. La back throw de Hickling. Et ça tue, hein, bien sûr. Là, on commence à enchaîner les combos de Falco. Est-ce qu'on connaît bien les combos de Falco, quoi, c'est sûr qu'il y a une baisse de framerate. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas si, en tout cas, vous le voyez, vous, dans le chat, mais on s'excuse par avance. On ne sait pas d'où ça vient. Là, on incline bien le jeu des dents vers le Falco, hein, en hauteur. Donc là, encore une fois, donc là c'est Yuya qui continue à faire son avance, mais on a vu qu'il manque pas grand chose. Hein. On tente en tout cas d'être plus derrière. Voilà. Ça, ça par contre, ça c'est une oh, vraie arme. C'est quoi ça? Ça par contre, c'est une vraie arme. C'est quoi ce poulet? Ça c'est une vraie arme contre, contre Malibido, dans le sens où vraiment le rouleau a vraiment, l'a vraiment desservi. Quoi. Il a tenté le rouleau, il l'aurait jamais dû. Ah. Yuya, il a tout envoyé là-dessus. Yuya qui a commencé à nous faire un poulet d'exception. Oh, la petite feinte de la part de Malibido, hein, pour feinter son adversaire. Et derrière Yuya qui commence à enchaîner les EPR. On esquive le smash. Et là, ça fait des draws. Hein. Hop, le dunty, le EPR. On se prend le rouleau. Le up smash, bien sûr. Voilà. La base hein, qui permet à Malibido de revenir une sac voilà. Partout. Oh, on va tenter des petites dribbles à la Ronaldo côté Yuya. C'est ça. Et on va prendre la... Oh, oh bien vu. Là, là, là. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça touche. Côté Yuya, oh, bien smash. Vu! Bien vu ce smash! Tu disais quoi? Ce poulet, il est incroyable! Ah, il est fort ce poulet, il est fort, faut reconnaître. Après, comment dire? Malibido, on connaît quand même sa capacité à s'adapter. Est-ce qu'il il va pas y avoir petit changement là-dessus? Un point pour notre champ. Alors, un point pour notre champion de notre précédente saison de ranking contre le vainqueur du dernier ranking. Exact. On est reparti full violet. Parce que le violet, c'est la vie. Parce que c'est vrai que rien n'est plus normal de se faire violer avec Malibido. C'est raccord avec la couleur. Voilà, très bien. Libido en violet. Ah. Avec le forward air, on se prend un EPR, un second EPR. Adro, oh la petite. Oh, oh la petite... petit ramassage au rouleau là. Ouais, ouais, ouais. Ah, du coup, Malibido qui transforme Falco en moquette aussi. Pas ouais, de jaloux. Un petit, petite phase de combo sympathique là. Hein. Oh là là, il lui fait toutes les phases. Oh le back air, bien il trouvé. Lui a fait toutes les phases là. Malibido, il était perdu à chaque fois, il essaie de trouver une solution face au combo de Falco. On a essayé de prédire une possible roll côté Malibido. Et là, on se fait enchaîner. Là, on a les combos de Falco qui pleuvent. Ouais, ouais. Et ça fait plaisir, en tout cas, hein, de voir tous ces combos. Mais attention tout de même, Malibido qui est pané de la dernière pluie, pané de la dernière peinture, qui a directement essayé d'inverser la tendance. Est-ce que et pas... voilà, avec ce back air. C'était pas prémédité, genre le fait que le Falco il était peut-être préparé pour cette rencontre, peut-être, hein, mais il faut voir si ça tient aussi la longueur. Ouais, sur le parce qu'on rappelle qu'on est en BO5 et qu'il faut tenir. Et pour l'instant, en tout cas, c'est Malibido qui trouve des ouvertures. Ah oui, avec on a bien rouleau. Match côté Yuya. Il a bien match, mais il savait là, Malibido il a pu voir que sur certains rouleaux en fait il y avait du match, donc il va trouver des solutions à plus court terme. Attention au bouillard, hein. On est rappel, on est à 114%, là, ça pourrait tuer. Oh, ouais, bon air dodge de Malibido. On va se retrouver oh avec là le spike, là, ce bien spike sûr. Bien trouvé de la part de Yuya. Incroyable.
Ayuya qui a vraiment eu la bonne interaction parce que là c'était plutôt lui qui était en danger. Oh là là, on enchaîne les EPR comme Jaja, on se fait grab. Le Bouya, non, même pas. Ah, il attend, il voulait voir sa réaction, ouais, voulait voir la réaction du Bouya. On va mettre quand même un petit pistolet. Oh. On va revenir avec le jab. Là, on a un Falco qui est tout en orange à 140%, mais pour l'instant, il s'en sort bien. Hein. Ouais, Yuya, il s'en sort bien, il tempo bien comme il faut. Et finalement, c'est lui qui gratte. Il ne fait que gratter. Et le spike, monsieur. Ah là, double spike dans ce match. Est-ce que je pourrais avoir le même poulet dans mon menu ce soir? Ah là là, le chicken wing. Là, c'est incroyable. Là, c'est les tenders. La boîte de tenders. Et là, on est en situation d'échec. Côté Malibido, il ne peut plus perdre une seule game. C'est interdit. Voilà, pendant au moins, voilà, pendant au moins le reverse, il ne peut plus perdre une seule game. Va-t-il y arriver? Bah finalement, il m'aura fait mentir. Voilà, Yuya, je m'attendais à ce que ce Falco soit un bon pick, mais pas forcément la solution. Pour l'instant, en tout cas, ça l'est complètement. Alors, peut-être que ça aurait été le même résultat avec Min Min, peut-être qu'il aurait aussi dominé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il gagne avec Falco. C'est ça, le donner, on essaie de mettre un side B. Il y a Malibido qui reprend un peu l'avantage et on bourre son adversaire avec l'encre. Est-ce qu'il a très bien fait de la bombe? Et là, c'est le rouleau et on va mettre le flash, ça tuera pas. Allez, peut-être un bouillard derrière. Non, c'est bon, on va prendre tranquillement la roue. Oh, c'est side B. C'est side B qui a fine spike. Oh, ça a clank. La back throw avec ce laser. C'est patient. Ah, c'est incroyable, il ouais. T'es passé l'interaction hors du ledge. Personne. Et là, t'as battu, c'est forward air. Yuya qui prend le premier kill de cette possible dernière game. Et oui, et là, la grenade qui va tuer. Je ne m'attendais pas à ça, parce que ça fasse aussi mal. Mais bon, Yuya qui était dans des pourcentages très très élevés, donc forcément, il ne peut plus se permettre la moindre interaction. Et on va remettre la situation de combo à la Falco. Le Falco, il est solide. Et chicken combo. Voilà, avec la bonne interaction là de Malibido. Ouais, Malibido qui a bien géré sa phase avantage. Et à chaque fois, quand il essaie, il revient en rouleau pour faire une trajectoire un peu en diagonale en dessous. Le back air, très bien. De la part de Yuya, on se prend un back air côté. Et Yuya. Voilà, et il savait. Il a montré, voilà, c'est ça le match-up. C'est tu parles en rouleau et tu fais up smash. Et, ouais. Et à mon avis, je suis sûr que tu peux même être encore plus vicieux que ça. Tu peux même le charger un tout petit peu. Ah, je ne sais pas. Oh, dommage. La et dernière toque pour ce Falco. Allez, attention, et on va charger, bien sûr. Ouais. Voilà, il a tout mis. Allez. Les compteurs à zéro. C'est faisable hein, pour Malibido. Il peut le faire. Il peut revenir. Bien sûr qu'il peut le faire. Et il va prendre cette interaction. Attention avec ce jab. On va en profiter pour mettre la throw. On va remettre encore une interaction. Très bien vu de la part de Malibido, ça. Ouais, et pour l'instant, là, c'est Yuya là, qui prend toute la sauce. Il a essayé de revenir avec des side B, mais ça ne suffit pas. Oui, bonne phase de combo. Revient à égalité quasiment. Yuya qui est très attentif au boulot. Hein. Ah, Yuya, il fait attention, il ne veut pas se prendre. Hein. De toute façon, là, c'est une situation d'échec. Hein. C'est-à-dire que là, tu prends le rouleau, globalement, t'es mort. Hein. Ouais. Par contre, si Malibido rate son rouleau, il est mort. Bah, je sais pas, 75 avec le Rage Effect, je sais pas. 150. Là, c'est sûr maintenant. Là, c'est sûr. Là, bon, le marqué très bien me trouver. Est-ce qu'on va avoir le droit à une autre game? One more game, peut-être. Ah, ce side B, attention. Et là, est-ce que plus dans l'astro. Il va prendre le petit laser, mais bon, c'est une maigre facture. Oh, second backer. Oh, c'est chaud là, l'interaction. Le backer, et voilà. Yuya qui gagne contre Malibido qui a pris sa manche. Il confirme, voilà, il persistait le signe de son encre. Avec son encre à lui, il a posé sa signature et il a dit ce ranking, il est pour moi, monsieur. Voilà, on reprend la couronne. Voilà, merci beaucoup. Je l'aimais bien quand elle était sur ma tête, je vais la reprendre. Ça. Le Falco était. Il était aussi donné, quand même. Il sortait d'où? Il était bien ce Falco. Il sortait d'où ce Falco? Il était bien ce petit Falco. Je sais pas, mais le fait que je connais.
Aïe, 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 et là, c'est en train de débriefer. Mais je sens le sel d'ici. Alors, comme moi, j'ai pris beaucoup de sucre, je pense que le sel, je n'en veux pas. D'ailleurs, tu peux remettre ça sur la table parce que. Oui, parce que dame, il avait pris. Ouais, il a lui. Tout piqué, là. Il a tout piqué les palmitos. Je voilà. Vais appeler le top 3, monsieur One Brawl. Oh ah ouais, Malibido, ouais, vas-y. Donc, on va repasser en transition. Donc, exceptionnellement, on va appeler le deuxième en premier. Donc, monsieur Malibido. Comment s'est passée cette journée, ce ranking fatigante? C'est ton deuxième ranking ici? Ouais. Et comment ça s'est passé? Ça va, j'ai pu m'amuser, c'était l'objectif. Oui, on t'a vu beaucoup, très souriant sur cette game. Pas trop de stress? Bon, non, je venais pour m'amuser, j'étais déjà en tournoi ce matin sur Paris. Ouais, c'était pour sûr. Me détendre. Ah oui, bien sûr, mais bon, quelle détente quand même. Du coup, tu as commencé par quoi? Tu as commencé par Anishino, donc joueur de chic. Ça s'est bien passé apparemment. Oui, j'ai joué tout le Bowser et ouais. Mario, je crois. Ah ouais, d'accord. Vraiment le flip. Non, mais j'ai pas joué une clique de ma winner, je crois. Ah, d'accord. Et donc, tu as joué contre Attic, notre 15, enfin notre 18 national. Oui. Et comment ça s'est passé alors? Ça a été. J'ai eu chaud quand même. J'étais pas mauvais. J'étais pas un problème sur mes persos et lui il était bien, donc ça a été. Mais... Ah, il travaille beaucoup. Du coup, après tu t'es retrouvé contre One Brawl avec des trucs Pac-Man. Ouais, Pac-Man il a failli passer, je suis dégoûté. C'est dommage, mais bon, bah 2-0 pour One Brawl, le héros. Malheureusement, je me souviens que t'as commencé t'as gagné avec le héros. Je voulais celui du bas. T'as fait explosion magique, t'avais plus le mana. Voilà. Je voulais pas explosion magique, je voulais celui du bas, je crois que c'était tension en plus. Bah, là, c'est malheureux. Et donc, après, tu t'es retrouvé en loser bracket contre monsieur Guideux, qui est moi-même. Et bah, moi, j'ai bien aimé le match. Ouais, ça, c'était cool. Et en plus, tu m'as respecté, tu as joué Kling. Moi, je suis content de ce que j'ai pu apporter sur mon nouveau gameplay, on va dire. Non, c'est bien, oui, c'est par rapport à la dernière fois, c'est mieux. Ouais, je joue plus le chevalier, je joue Lacan. Ouais, j'ai pas le choix. Pas le choix, je m'en suis rendu compte. Et donc, après, t'as enchaîné contre Grignard, j'ai vu des beaux Shuriken, mais c'est vrai que, bon, ben, 3-1. Ouais, en plus, je me suis SD 3 fois, je crois. Ah ouais, ah merde. Ouais, il y a eu pas mal de SD. Ah merde, dommage. Je pensais que c'était plus serré que ça, j'étais pas... Ouais, non, je crois que 2, 3 et 4, je me suis suicidé une fois. Ouais, non, je me... Alors que se suicider avec King, il faut le faire, quand même. Ouais, bah, c'est sûr, c'est comme se suicider avec Zelda, mais bon... Voilà, hein. Je me souviens que je reviens sur notre match, la deuxième game, tu m'as allumé. Tu étais tout de suite plus agressif, tu m'as full. Non, mais j'allais pas me faire 2-0 non plus. Attends. Mais bien sûr. Mais t'as pas joué sur la première partie ou quoi? Oui, j'ai joué, mais je suis en train d'essayer de traîner des trucs. Ah, j'ai un peu de déchets dans mon gameplay. Ouais. Bon, sur la game 3, je me suis senti remonté, mais. C'était... Je pleure. Bon, après, du coup. Et donc la fameuse du coup c'était One Brawl qui a affronté, c'était serré hein. Oui, très serré. Très serré Terry. Hein. J'ai cru à tout moment qu'il allait sortir un de ses go surtout la game 1 qui t'a sorti. Vraiment. Il a chaté la game 1. Bah, de fou. Il a chaté la game 1, il l'a auto ça c'est auto turn. Oui, il a dit lui-même, il a dit c'est il a été sauvé par l'auto turn El Famoso. Mais bon, c'est le jeu hein. C'est le jeu. Voilà, et du coup, bah, Yuya, qui nous a sorti un Falco. Ouais. Ouais, mais Falco, c'est bien comme perso. En plus, il a les combos. Donc... Bah ouais, mais même nous, on était choqués de voir un Falco. C'est vrai que bon, bah, t'as pas eu l'occasion. En fait, tu as sorti un Falco contre toi, le dernier. Non, il avait fait Mimi Falter. Comme Mimi Falter. Et puis, bah ouais, il a 3-0. Mais franchement, t'as très bien joué. C'est juste que, bah, lui, par contre, comme il le disait tout à l'heure, le rouleau, faut mettre un smash. Ouais, bah, c'est bien, il y a enfin quelqu'un qui finit le rouleau aussi. Oui, bah excuse-moi, je n'étais pas au courant. Bah, c'est la base contre Ring Fling. Tu vois, un rouleau en chill. Mais est-ce que je peux punir le rouleau avec mon hubby? Oui! Oui! Mais oui! Putain! Je suis un connard. Okay. Il y a les trois quarts du move qui punissent un rouleau en chill. Le smash de Zelda, des fois, il est. Le pire smash, bah du coup, il est plus de box. Bon, bah ok, je retiens.
peux faire un smash note. Voilà, et ben du coup, bah, bien joué à toi quand même, bien le deuxième. Hein. Puis bon, bah, c'est pas ton premier tournoi de la journée, du coup. Je vais te laisser rentrer. Et... Merci. Voilà. Parce que, du coup, ouais, entre la route sur Paris et double tournoi. Pas de plaisir. T'es d'où déjà? À la chapelle en Saval. À côté de Chantilly. Ah, d'accord. Bon, okay, là, mais non, mais j'étais du coup ce matin vers Versailles pour Paris Fan Festival. Ah ouais. J'ai eu des sets éprouvants aussi là-bas. Bah, je me doute bien, le mec il dit tiens, je fais un tournoi ce matin, puis j'en fais un autre Starfan. Ouais, ouais, non, j'ai perdu contre Vince et j'ai perdu contre Florigan 3-2 en entrée top 32. Ouais, c'est pour ça. En plus, il y a Yuya qui avait commencé le seeding hier soir, il s'est dit bon, bah c'est bon, j'ai fait mon seeding, tout ça. Et là, il voit tout à l'heure Malibu s'inscrit. Ouais, j'ai vu que j'avais le temps si je suis un peu sur la route. Mais bon, allez, puis Y, on y va. Voilà, bien joué à toi. Bah, merci. C'est super, bah écoute, on peut entrevoir. Hein. Oui, bah ouais, je pense. Bon bah voilà. Hein. Et ici, on mange bien, on est bien loti. Monsieur One Wall. Monsieur One Wall. Comment il va? Comment c'était? Fatigué, tilté. On est là, hein? Après, c'est le mental, hein? Faut bosser un peu le mental, mais. Non, non, le jeu, à un moment, il a essayé de me saboter, c'est tout, hein? Mais le jeu, il a été généreux au bout d'un moment aussi, hein? Non, non, le jeu a été généreux une fois, et. Le jeu, mais c'est comme ça que c'est censé marcher. Bien sûr, hein? Alors que. Le side au ledge, il me fait un reverse geyser. Qu'est-ce que je suis censé faire? Le move, il a une seconde complète de lag. C'est la vie. Bah ouais. Il faut bien decoy sur le perso. Hein. Quand le move sort trois fois alors que tu as demandé zéro. Ouais. C'est vrai. Ah, et donc, tu as commencé avec news. Ah ouais, direct. News direct. Ouais. Pauvre news. Puis ça s'est très bien passé. Bien passé. Passé. Le côté rire, hein. Ça veut rien dire. Et oui. Ah. Ah ouais. Bon bah. C'est terrible. Voilà. Après, on a joué contre Rist. Ouais. Ouais. C'est chelou. C'est bizarre. Il est fort. Hein. Ouais mais. Après, connais le match-up. Je connais les trucs bizarres. Ouais mais moi des fois je connais le match-up mais j'ai peur quand même. Hein. Non mais des fois toi tu connais le match-up mais t'as pique pas. Moi j'ai appliqué. Là aujourd'hui j'ai appliqué la camp. J'ai campé ma race. J'ai adopté un nouveau game plan, c'est niquez-vous, je fuis. Et tu t'es rappelé que notre allié existait. Oui. Et tu t'es dit, putain, le move est fort. Oui. Et oui, mais le truc, c'est que, bah, elle m'approche pas, moi je m'imbais. Bah ouais. Voilà. Et du coup, après, t'as affronté Malivido, donc Pac-Man. Pac-Man Hero. Voilà. Moi je demande, ah d'accord, d'accord, il me prend pas au sérieux, c'est cool. Ah, il a dit sur le winner bracket, il faisait n'importe quoi. Après, sur le loser, ouais. Voilà. Ça aurait été Dimitri à ma place, il aurait pas pris ça. Je pense. Ouais. Je pense. Et du coup, c'est vrai que t'as fait un winner. Ouais. Winner ouais. Run. Ouais. Très bien. Et du coup, bah, One Brawl Yuya. Le Yoshi était sexy. Le Yoshi, c'est dommage, la position. Le Yoshi était sexy sur une stock. En plus, le truc, c'est que. Et puis le moment, t'as fait Paul Grémont sur le stream. Non. Si. Il est venu. Oui, il est venu. Oh, il a dû voir mon Yoshi, c'est terrible. Je jure que Monsieur Grémont est apparu pile au moment où t'as piqué à ce moment-là ton Yoshi. Oh. Et il est arrivé pile à ce moment-là. Alors je ne sais pas s'il était là et genre bah, il a dit ah bah hey, tiens il prend Yoshi, je vais lui dire bonjour. Et non, on a eu Grémont qui a vu ton Yoshi. Je lui ai envoyé un MP tout à l'heure pour dire oui, je traîne Yoshi pour lui. C'était marrant, j'ai trouvé ça. Non, mais il y a une seule, une phase que je lui ai dit. J'aime bien Yoshi. Moi, j'aime bien côté Yoshi. Mais moi, en fait, je suis obligé pour lui. Le mini-interi, c'est pas possible. Oui, Kazuya, oui. C'est impossible. Karoule, je vais même pas tester. Moi, mon Roy est éclaté. Je suis en recherche d'un personnage pour contrer ça. C'est là, je peux pas. Après, on est un peu dans le même cas, hein. On est tous les deux des caractères spécialistes. Ouais, c'est ça. On sait pas trop jouer au jeu, soyons honnêtes. Moi, je joue Zelda. Voilà, je joue Zelda, c'est tout.
Du coup, j'ai essayé de jouer Link Cartoon contre Yuya, mais ça s'est mal passé. Non, mais même Link Cartoon, non, ça, c'est pas giga fort. Ouais, mais moi, je parle du principe que c'est, on peut pas être pire que Zelda. Et... Ah, parce qu'il y a Kazuya. Ouais, mais je suis sérieux. Et donc après, la revanche, Malivido... Ouais, là, il m'a pris un peu plus sérieux. Non, le match, il était exceptionnel. CM5, dernière stock. Non, non, c'était trop stylé. Il n'y aurait pas eu ces problèmes de missiles. Encore une fois. Il y a comme une gimmick hein, qui revient. Bah, tu sais, moi, il y a littéralement un moment dans le tournoi où je peux dire que j'ai gagné par missile. Ici. Ouais, t'as gagné sans faire exprès. J'ai fait exprès de gagner, mais il y a eu beaucoup trop de missing put dans la partie du côté adverse. Ouais, ouais, mais après, le côté adverse, ça fait pas longtemps qu'il a fait le carton, positif. Quoi. Seul point positif du match, j'ai tout frame avec le chevalier. C'est tout. J'ai lâché ma petite larme. Non, par contre, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est quand ton chevalier a empêché Caro Goudrico. Oh, c'était incroyable. Là, ça m'a fait éclater. Le truc aussi avec le Gordo. Ouais. Le Gordo, il se prend le Gordo, je vais aller clair, mais je l'ai grave. Hop, pro. Et oui, je... Il a 160, c'est bon, pas dingue. Mais bon, j'avais le match-up, ça se voyait. Et ça faisait 4 ans que j'avais pas joué sur DF. Et en fait, DF, c'est bien. Mais en même temps, tu vas pas jouer sur DF contre moi ou Dimitri. Bah, bien sûr. Oui, même contre 15. Même contre 15, je vais pas jouer DF, tu vois. 15, de toute façon. Comme j'ai dit à Dimitri. Sur un éclair de génie, il gagne. Déjà, moi, j'ai vu ça, tu vois. Ouais. Ouais. Attends, c'était là, ouais, Satar. Voilà. Ah ouais. Ah, d'accord. Et après, du coup, j'ai vu que Satar était en loser et que je devais l'affronter, je fais... Parce que t'aurais préféré taper 15. J'aurais préféré taper 15. 15, c'est du par cœur. Moi, je préfère largement taper Satar à 15, hein. Non. Attends, moi, Satar, je le connais. 15, il me fait peur. Maintenant, 15, j'ai une strat. Maintenant, j'ai une... pas la 15 et je garde 2 stocks. Et... C'est incroyable. J'ai fait 5 games contre 15 et après je gardais 2 stocks. Et ça y est, j'ai un truc. C'est quoi le truc? Ah ouais, je passe. Mais oui. Le truc. Bah toi, tu vas pas faire des bon, oui. Ouais. Non, c'est bon. Oui, après, pas. Ça marche bien certains match-up, mais ça marche bien, quoi. Moi, c'est ce que j'ai appliqué en fait sur tous mes games. Hein. Ouais, et Farah, j'ai campé. Après, Julia, bon, j'ai pas pu camper. Je sais pas. Non, mais t'inquiète, Rafi, t'as un Steve là. Ouais. Ouais. Trop marrant. T'as vu? On rigole, hein. Il m'a proposé de jouer avec lui après là. Ah ouais, tu restes un peu. Après, il est tout encore. Bah, après, de toute façon, ramène Dimitri, tout ça, donc. Ah, mais il y a News qui. Ouais, désolé, on verra ça après. Je vais appeler quand même notre champion. Dimitri! Monsieur DG Yuya! Allez, moi je suis content de manger. Premier ranking où tu es sponsorisé. Oui. Et tu gagnes! Oui, et pas contre n'importe qui en plus. Et pas contre n'importe qui. C'est une belle run, monsieur. J'avoue, j'étais content, assez content de mon Falco, mine de rien. Parce que c'était quoi ce poulet? C'est la première fois que je sors contre un adversaire plus fort que moi, entre guillemets. Ah oui, plus fort que moi. Il fait des meilleurs résultats. Ouais, t'avais pas un combo game dingue, mais. J'avais beaucoup de frame trap, par contre. Ouais, de ouf. Genre, je me souviens, il a pris une phase horrible où il faisait que des air dodge neutres, mon ref. Air dodge pas contre Falco, prends la sauce, c'est pas grave. Et puis t'as mis des up smash sur le rouleau. Ah oui, mais le rouleau c'est nul. Enfin, moi, je viens d'apprendre. C'est fort, mais c'est nul. Je viens d'apprendre que je pouvais le up B. Ah oui, tu peux up B, up smash, tout ce que tu veux, mais il semblait t'avoir appris. Je suis sûr, j'ai vu la game. J'ai vu, t'as attendu, t'as pris le deuxième hit. J'aurais, quand je jouais une clean, tous les jours, j'aurais prié pour que mon adversaire se prenne le deuxième hit du rouleau dans son shield. Non, oui. Non, vraiment. Putain, mais j'étais pas loin. Non, mais c'est dommage. Après, attention, hein, Malibido, c'est un joueur, il s'adapte. Ouais, donc. Je l'ai vu sur la game 3, c'était trop serré. J'ai commencé la game 2, il t'a atomisé. Ah, il m'a atomisé. C'est pas méchant, hein, ouais, non, mais... Non, mais c'est vrai, il faut dire les termes. Quoi. Alors, du coup, bah, on va faire la traditionnelle run. Alors, j'ai affronté Rire, c'était on stream, double 3 stock, il connaissait pas Min. Il a pris un backscore smash. Ça, c'est le test. Genre, c'est vraiment le BABA. C'est comme si tu conduis au permis, si tu sais pas embrayer, c'est fini. Bah, là, il savait pas embrayer. Mais. Oui. C'est quand même adapté parce que j'ai essayé. Ouais, il a sauté. Bon,
J'aurais pu juste couvrir, mais c'est un 50-50 dégueulasse, faut juste pas se prendre la box road. Voilà. Contre Guideux. T'as vu mon link up ça s'est pas bien passé. J'ai mal. Mais c'est. Ah, je maintiens, t'aurais dû garder Link Cartoon parce que. Ouais, au moins. De toute façon. Après, c'est à toi de voir. Genre, tu peux te dire que tu peux gagner avec Zelda. Genre. Mais le truc, c'est que là, tu l'as vu. Tu l'as vu et j'arrête pas de me répéter, mais. Genre, je suis plus rigoureux sur ma Zelda. Beaucoup plus patient. Beaucoup plus. Je casse les couilles. Je veux être agaçant. Tu es également plus dans une optique buteur. Même si tu les touches pas. Des fois, t'es dernière sur les plates à prendre dans ce row et c'est très bien. Vraiment, c'est. Tu pourrais mettre des trucs de fou. Genre, quand ouais. Ça passera, ça sera bien. Mais par contre, vraiment, ça, ça t'a peut-être fait très cher, surtout contre ma libido. Les chevaliers en les trap, ils servent à rien. Tu les fais de retour. Ouais. Faut vraiment que tu apprennes ça. Je te jure que contre Satar, c'est le seul. Et tout frame avec le chevalier. Oui, j'ai vu que t'avais battu Satar, c'est bien. Bon, c'était pas son jour, mais ouais, on s'en c'était fout. Pas son jour. Mais on s'en fout. Genre, t'es venu en tournoi, tu joues. Ah non, mais ça s'est vu. Et après, tu vois, il a été voir. Il me dit bah, qu'est-ce que je peux faire contre Zelda. Bah là, c'est juste que t'as misclick de partout. Désolé, mais. Et aussi, il a joué sur Smashville. J'en peux plus. J'en ai marre des gens. C'est... Alors, je te dis juste que. Il est venu, il m'a dit choisis la map que tu veux, j'ai pas envie de pique. J'ai choisi la map que je voulais. Ah, mais j'aimerais tellement quand je joue Mimine qu'on me dit choisis la map que tu veux. Bah, tu prends Smashville. Non, je prends DF. Ah ouais. Ah bah oui. Ah oui, c'est vrai. Y a pas de plateforme. Ah, terrible, mon pote, on est bien. Smashville, t'es pas mal loti. Non, en fait, ça dépend du match-up. Si le perso est rapide, en fait, c'est la plateforme de Smashville l'aide à venir sur moi. Si le perso est long, je m'en fous. Après, bon, c'est toujours match-up dépendant, mais là. Je suis pas assez au taquet sur Mimine pour être péché, donc je vais m'arrêter là pour pas dire bêtises. Contre One Brawl, contre Terry, ça a été. Je déteste Yoshi Mimine, c'est impossible. Je sais que du coup, j'en parlais à One Brawl juste avant, et au moment où il a piqué Yoshi, on a eu l'apparition de lui. Vraiment est apparu au moment où il a piqué Yoshi. C'est un peu. Mais par contre, c'est assez étonnant, la commune Yoshi est très, très, très soudée. Ils sont vraiment cool ensemble à chaque fois qu'il y a un. C'est vrai que tu vois un Yoshi on stream, t'as tous ses potes qui sont là et franchement je trouve ça hyper mignon. C'est vraiment une des commis Smash les plus. C'est vrai que j'ai été faire des tours sur d'autres Discord de personnages et j'ai pas vu beaucoup de Discord où ça a communiqué à mort. Le Zelda Score, il est incroyable hein, par contre. Bien dire, ça, ils sont très actifs. C'est pas le Yoshi Score. Méga. Enfin, ils parlent tout le temps, ils sont de bons conseils, genre. Par exemple, Raymond, genre. Il t'a cassé la gueule, mais tu lui demandes un truc sur le match-up, il va te le dire, mais avec le smile, il va te montrer. Ouais, vraiment. Ouais. Et le souvenir, Blue Sky, il est pas avare en conseil non plus, sûrement. Non, les Yoshi, c'est des good guys. Sauf qu'il joue Yoshi. Ouais. Je déteste Yoshi. Et contre Mimi, vraiment, c'est trop dur. Le perso, il va trop vite. Oui, je vois. Bah, ouais, je vais arrêter. J'ai une mobilité aérienne de fou. Et... Il trade tout. Bref, j'arrête. C'est pas vraiment. Alors, quand même, spécial dédicace à la game One Brawl Malibido. Qui s'est joué à un missing put. Ouais, de ouf. Bon, après, va être meilleur. Hein. Genre, moi aussi, j'en ai raté les confirmes. Malibido, il en a rassé aussi. Mais bon, après, c'est quand même vraiment dommage que là, tu te dis. Alors, évidemment, il aurait pu être meilleur sur plein de points, mais à un missing put près, c'était gagné, c'est chaud. Ouais, 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 non, mais. C'est triste. Mais le match était intéressant. Même si One Boy s'est un petit peu excité après le set, franchement, c'était un beau match. Vraiment. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Ouais, moi j'ai vu le match. Et, bon, et tu vois, je regarde très peu de Smash Bros. J'ai vraiment m'en fous, mais là c'était. Je le re-regarderai, ça c'est sûr. Moi je regarderai juste le moment où je l'ai pas compris contre Karobu avec la Minérisson et. T'as bugué. T'as pas bugué, c'est une interaction très rare, mais c'est légit. Hein. Plus force à lui. Et. Bah. Le 4 Karobu est un peu spécial. En fait, il veut taffer un mi-brawler. Et en même temps, il voulait gagner. C'était un mix des deux. Mais c'est un peu comme toi avec Linkerfield, genre toi tu le taffes, toi je sais pas, tu joues en. Le truc c'est qu'à chaque fois que je veux bosser un nouveau perso, je me rends compte d'un nouveau truc avec Zelda, et du coup je me dis bah c'est vraiment utile que je bosse un nouveau perso. Bah, en fait ça dépend des objectifs. Franchement pour Min Min, j'avoue, un autre perso c'est pas déconnant. Ouais. Je joue pas Yoshi s'il te plaît. J'aime pas Yoshi. Bien. J'adore l'affronter par contre, j'aime bien affronter des Yoshi, mais en fait, j'aime pas le jouer. Bon. Ouais, non, vraiment, pour Mimi, je pense vraiment que c'est un match-up trop dur pour rien. Après, il n'y a pas de secret, hein, genre, tant que tu décrètes pas que le match-up est impossible, on discute et tout,
car Zelda, hein. Genre il y a plein de match-up, en vrai ça joue parce que Zelda, en mine de rien, le clutch factor il est énorme. Genre un don't hit pair qui tue à 60 alors que t'étais à 120, à 140, bah GG, tu vois. Et bon, travail, tout ça, tu trouveras les réponses à tes questions. Ouais. Ouais. Ça va, je suis assez satisfait de ce que j'ai fait aujourd'hui, moi. Non, franchement, t'as fait une belle run. Je pensais pas, je pensais que ça allait s'arrêter vite. En plus, mon match contre Edward était très serré. Oui, bah après, t'as laissé Smashville, donc c'est le karma. Quelque part, il y a une justice dans ce monde. Ouais, mais dans tous les cas, je pense que j'avais. Genre, j'ai perdu la game 1 pour une erreur bête parce que je suis sorti. T'as perdu la game 2 j'ai perdu la game 2 pour une erreur stupide. J'ai voulu aller chercher à l'extérieur et je n'ai pas tech. Et par contre, ce qui m'a étonné, t'étais à 10% avant le coup. Le fait que t'es pas tech, ça t'a envoyé trop loin. Alors que tu joues Zelda et que t'avais conso, t'as mais pas oui. J'ai halluciné. Mais oui, mais moi j'étais choqué, je dis mais pourquoi je reviens pas? Pas grave, hein. Je dis bon bah j'accepte, hein, c'est oui, mon erreur. Façon, hein. Tu pouvais tech, tu pouvais faire plein de trucs, c'est ta faute, mais c'est mon erreur. C'est surprenant quand même. Ouais. Et du coup, ma game contre Malido, j'ai pas compris pourquoi il m'a laissé TC. Ouais. Parce que bah, je vais suis trop tôt sur TC en fait. Moi je me souviens un des problèmes que j'avais contre Malido la dernière fois, c'est que je pouvais pas les kills. Alors oui, j'avais pas le même perso. Ça va. Mon Falco, premier match sérieux où j'avais un peu la pression. C'était bien, je suis content d'avoir trouvé des trucs. Je me suis pas pris de bouille. Ah si, j'ai pris des rouleaux. Au bout d'un moment, on peut pas tous les éviter malheureusement. Et j'en ai plus ni que je n'en ai pris. Ok. Fais des bons donners. Oh, le donner que j'ai mis sur son rouleau. Parce que j'ai vu qu'il avait plus de saut et qu'il avait plus de saut les corps, j'étais content. Ouais. Non mais je me suis pas fait. Par contre, il aurait complètement pu m'exploiter off-stage. Pour moi, c'est ça le problème sur le match-up, parce que off-stage, je devrais prendre la patate. Pour venir à l'aise, une fois il m'a donné tilt, mais c'est tout. Ouais. Il faisait des down smash, moi j'étais dans la merde. Hein. Et ouais, du coup, moi j'ai encore des objectifs et ça. Je vais bosser en échrap. Je vais bosser en échrap. En plus, genre, l'échrap. Quand le mec il est dans ton timing, t'as des bonnes idées. J'avais vu contre Satar, t'as trouvé des bons trucs et tout, mais le problème c'est que faut que le mec il s'aligne sur ton timing, c'est à toi de t'aligner sur le sien. Ouais. Mais franchement, ça va, il y a des bonnes pistes. Trouve une solution pour Minmin. Ouais, si tu veux, on joue le match-up, y a pas de problème. Bon, déjà, faut que je joue avec Krigna pour le match-up, Minmin. T'as envie de jouer contre Minmin pour apprendre un peu plus. Ouais, donc voilà. Mais après, si tu veux, on s'attrape en after, parce que là, je fais l'after. Ah, cool. J'ai repris, bon là ça n'a rien à voir et du coup c'est plus Smash Bros, mais force. Zach. Le jeu de société où t'as gamblé pendant 4 ans. Ah tu l'as ramené celui-là? Oui, je l'ai ramené. Ok. Voilà. Ah, du coup, je pense qu'on a plus grand chose à dire. On a plus grand chose à dire, on a débattu un peu sur leur sujet, mais bon après c'est ça un Gamers Garden, hein. on aime bien sympathiser. Puis, Oui, de toute façon on n'est pas là pour full tryhard Smash, ça se saurait. Salut Orlin, toi aussi tu es beau. Oui, il est très très beau Orlin. On l'aime beaucoup. C'est un giga chad. Et son lit est énorme. Oui. Ah. Il a Onyx. Son Onyx est très très haut. Fait par un mec, je sais pas, tu connais, il s'appelle Guillaume. Ouais, il est plutôt BG en vrai. Il fait des bons cadeaux d'anniversaire, mais c'est un autre débat. Voilà. Et du coup, à tout en after. Et puis, voilà. Bisous le chat.